Alors, tes lois. Oui, bah vous pouvez prendre en cours, c'est pas très gênant. Alors, tout ça, c'était désactivé. Mylène, merci beaucoup pour les 100 bits. Comment tu vas? Merci, merci. Les produits. Non. Si j'appuie là, l'adultère a été autorisé. Ah, bah non, du coup, c'est pas ça qu'on veut. Moi, je veux pas que ce soit autorisé. L'adultère a été interdit, ça a l'air de mieux marcher que tout à l'heure. Les lois. Donc, électricité, on avait dit que c'était bon. La magie, l'adultère, plusieurs enfants. Donc, avoir plusieurs enfants a été interdit. Bah, du coup, non, on veut que ce soit autorisé, parce que sinon, là, je me prends, c'est même plus une amende que je me prends, c'est un bus. Tu vois? Ok. La malice, elle a été interdite. Mais en fait, c'est quoi le problème, du coup? Autorise-la. Ok, c'est bon. Quoi? Non, je veux pas qu'elle soit interdite! Oh merde. Allocation, vêtements violets. Les vêtements violets n'est plus limité aux membres de la famille. Ok, donc c'est bon. Donc tout le monde peut porter des vêtements violets. Nickel. Et merci beaucoup, Dorian, pour ton follow. C'est gentil, bienvenue. Merci de m'avoir suivi sur TikTok, c'est sympa. La malice, je sais pas quoi en faire. Il y a écrit la malice a été interdite tout le long. Je veux pas qu'elle soit interdite, je veux qu'elle soit autorisée. Genre, tu vois ça? C'est pas normal. Le reste, je touche pas. Je pense qu'on est bien. À part la malice. Donc, ça veut dire que la moindre personne qui va être malicieuse, on va se faire bouffer. Salut Féfé. Monsieur le roi, là. Tu crois pas que t'abuses un peu du bail? La malice. Genre, c'est bon, non? Attends, changer les titres. Non, mais il y a que les titres là. Ah! Comment je l'enlève? Comment j'enlève ça? Si je te réinitialise pour faire genre. Genre. Ah, mais les mods, c'est ouf, je trouve, moi aussi. Salut Sarah! Ça va très bien et toi? Autorise-la! Pourquoi il a été pris la main dans le sac? Pourquoi il a. Moi, j'abandonne. Je ne payerai pas mes amendes et je me rembourserai. Ok? Je ne payerai pas mes amendes. C'est mort. Je n'accepte pas cette loi pourrie qui ne veut pas s'enlever. À chaque fois, je galère pour les mettre dans mon jeu. Ah bon? En vrai, ce serait incroyable, un vrai pack de gameplay Moyen-Âge. Ouais, ce serait grave cool. Ça, merci. Bon, bah, tant mieux. Je suis tellement dégoûtée de jouer sur PS4. Hein, le jour où les Sims 5 sortent, j'investis dans un PC. Bah, pourquoi pas, en vrai. Hein. Ethan, qu'est-ce que tu veux comme couleur? Ouais, mais faudrait qu'il soit complet. De quoi? Les modes? De quoi tu parles? Ah, tu parles des packs? Ah oui, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Du bleu, ça marche. C'est pas bleu, ça, c'est vert. Hop! Bon, bah, souhaitez-moi bonne chance, hein. Trop bon ton écran, trop beau, waouh, ton écran de chargement, merci bien. Ça, les gars, ça y est, on a déjà pris la main dans le sac, on n'a rien fait. Elle a éternué, frère. Elle a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, qu'elle a déjà éternué. Attendez, je vais me mettre là 2 secondes, je cherche l'autre truc. Good luck, bro. Ah non, mais c'est trop. Tiens, lui, donne. 45 000 Sims. Ouh, mais on a des trucs. Donne-moi ça, donne. Waouh, trop bien la thune. Tu peux le faire, t'es la best, merci bien. Mais là, c'est horrible. C'est horrible. Genre, c'est quoi ces amendes de fou que je prends dans la tronche? Enfin, c'est pas normal. C'est un hachoum malicieux. Non, mais personne n'a été malicieux avec personne en plus. Vas-y, on va dormir. Je les paye pas, moi je vous dis, je ne paye pas. C'est voilà, c'est acté, c'est comme ça, je ne paye rien. Tout le monde au lit là, il est 21 h, tout le monde va aller se coucher. C'est quoi ton lit à toi? C'est le lit de qui ça? Toi, tu vas aller dormir aussi. Je crois que ça c'est le lit de. Non, c'est le lit de Gaspard. Ça y est, moi je sais plus qui est qui. Gaspard, tu vas dormir là. Lui, il va falloir qu'on essaye de faire en sorte que ça devienne un roi. Absolument. Et lui, il est en train de faire la sieste, mais franchement, j'ai pas forcément envie que tu fasses la sieste. J'ai vraiment envie que tu dormes. Et Hermessand aussi est fatigué. Donc, ah non, avant d'être fatigué, tu sais quoi? Tu vas aller réparer ça. Et j'aimerais pas cliquer ici. J'aimerais que Godefroy aille vite fait s'occuper de son cochon. On voit rien, hein. Remplir la gamelle. Ouais, remplis ça. Salut patate, comment tu vas? T'étais pas à 60K et quelques. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Bon, de toute façon, on est à 46 et c'est bien, tu vois. On est quand même pas paysan, donc c'est cool.
Je vais regarder, je vais vérifier. On est de classe moyenne toujours, donc ça va. T'as passé une bonne journée? Ouais, et toi, Camtoche? Très très bonne journée, merci, ouais. Dormir, madame. Tu vas aller te coucher. Et lui, du coup, il a donné à manger à son cochon. Faudrait peut-être... Attendez, vous savez quoi? Je vais investir dans de la thune. Je vais mettre de la lumière, en fait. Parce que là, on n'y voit rien et je n'aime pas quand on ne voit rien. Je n'aime vraiment pas ça. On va se faire ça. 30 secondes, éclairage. Coucou Tana, comment ça va? Alors, on va mettre ça, genre là, tu vois, juste pour y voir un peu parce que coucou, vraiment, c'est, on coucou, voit rien. Petite perruche. Coucou Pixelis, pardon, comment tu vas? T'as pas raté grand chose, on est en train de... On essaye de changer les lois, mais ça ne marche pas. Donc je vais me prendre des amendes dans tous les sens, quoi. Donc ouais, je mets des petites lumières pour qu'on y voit, comme je vous le disais, un petit peu plus clair. Parce que là, c'est vraiment difficile, en fait. On ne voit rien. Si je fais ça, là... Bon, ça me fait dépenser de la thune, hein. C'est des bêtises, là. Mais écoutez, on va dire qu'on n'a pas le choix. Ok. Là, on voit rien non plus. On va se mettre là, encore. Au moins, ça met des petits points d'éclairage, tu vois. Bof, bof, ma fille a des habitants, donc gros shampoing. Ah oui. Courage. C'est sûr que là, c'est vraiment pas le bon délire, hein. Courage, courage. J'en ai jamais eu des poumons. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Ma soeur en a eu quand elle était petite. Heureusement qu'elle me les a parfilés. Heureusement. Est-ce que j'ai encore de la place? Ouais, je peux mettre ça là. Ça me fait dépenser pas mal de thunes quand même, cette histoire. Hein. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Je sais pas du 7. C'est quoi le challenge à travers les âges? Tu peux faire le point d'exclamation let's play ou le point d'exclamation jeu et tu sauras ce que c'est précisément. Vous voulez qu'on refasse un topo complet de ce que c'est que le challenge? Vous en avez besoin? Hop. Bon, c'est pas mal, là. On y voit un peu mieux, non? C'est pas plus agréable? Je trouve que c'est plus agréable. Je vais en mettre un encore dans les seaux. Et si vous voulez utiliser le même mode que moi, vous avez, du coup, la vidéo YouTube. Hein. Vous avez la vidéo YouTube qui est disponible. Je vais mettre aussi une lampe juste là. Hop, parfait. Je vais en mettre une aussi par là. Ah, mais j'en ai déjà une là. Alors attends, plutôt par là. Ok, et pourquoi elle marche pas en fait? Est-ce que c'est pas parce qu'on était en vie, en éclairage, je sais pas quoi là? Pas en vie simple. En hors réseau. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. T'enlèves sur Twitch aussi? Exactement, ouais. Quoi? Pourquoi on n'a pas d'électricité? Me dites pas. Je crois qu'on a... On n'a pas interdit l'électricité aux habitants, quand même. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. On n'a pas interdit l'électricité. Au contraire, j'avais regardé exprès pour pas que ce soit interdit. Il faut quel pack pour ce challenge? Il me semble qu'il n'y a pas de prérequis, patate. Mais moi, je préconise d'avoir le pack absolument via la campagne parce que c'est trop bien. Je suis obligée de retourner voir le roi, je suis désolée. Hein. Pas le choix. Putain de roi, il nous fait chier, lui. Hein. Merci beaucoup, Kiyasha Mewil. J'espère que je l'ai bien dit. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. C'est un contenu personnalisé, patate. J'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet. Si jamais. Tout est sûr. En fait, dites-vous que, je pense, hein, que peu importe la question que vous vous posez, je crois que j'ai déjà fait une vidéo YouTube dessus. Je suis la seule à qui le live bug, je crois. Bon, connard. Tu m'autorises l'électricité? Elle était pas interdite. Donne-moi l'électricité, frère. Attendez, est-ce que c'est parce que... Mais même chez eux, il n'y a pas d'électricité, les gars. Même chez eux, il n'y a pas d'électricité. Regardez! Il n'y a pas de lumière! On peut même pas appuyer dessus! Quoi? Le roi lui-même n'a pas d'électricité? Autoriser la lumière, c'est pas possible! C'est quoi ces gens? Quoi? Non mais le roi, je vais aller lui mettre une mandale. Regardez, il n'y a même pas de défi de terrain. Je sais pas, ensoleillé, fais un truc. Y a pas de lumière.
Est-ce que vous pensez que c'est un truc... j'ai supprimé le truc d'électricité avec écologie. C'est peut-être la journée où il n'y a pas de lumière. Ouais. Bon, on va aller se faire voir. C'est bon. Oh là là. Coupure de courant. Peut-être qu'on a eu une coupure de courant, ouais. Salut Liska. Ouais, c'est peut-être ça. Vous avez raison. J'irai regarder, Ena, merci beaucoup. Entre ça et les courses mensuelles, je suis out. Je comprends. Bon courage. Bon, allez. Ouais, peut-être que c'est l'écologie, là, qui pue. Bon, bah, restons sans lumière, hein. On va tenter d'assumer. Et regarder un let's play sans lumière. C'est pas notre faute, l'électricité devient de plus en plus chère. Pardon, je l'ai hoqué. Ouais, un bon gros rip, là. Un bon gros rip. Je suis dégoûtée. Il y a de la lumière. Ok, ne cherchons plus la logique, jouons, hein. Alors, pourquoi vous êtes debout? Mais qui vous a demandé? Dormez? Dormez, les amis, dormez! S'il vous plaît. Allez, on va dormir, hein. Je ne veux pas que vous commenciez à parler, nanani nanana, vous n'avez pas besoin. Reposez-vous, le fiac. Ça va aller. Allez, on dort, les loulous. C'est parti. Dormez bien, reposez-vous, c'est nickel. Maintenant, lui, il faut absolument qu'il atteigne la compétence. Vous savez quoi? On va se faire une petite prédiction. Est-ce que je vais réussir à atteindre le niveau 10 de la compétence herboristerie, les gars. Je rappelle du coup que monsieur est au niveau 7, bientôt au niveau 8. Et c'est très, 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 sans vouloir exagérer, vraiment difficile d'atteindre ce niveau de compétence. Est-ce qu'on ne se ferait pas la petite prédiction qui fait plaisir? Et Gobert a eu une rêverie sexy. Salut Claire, comment tu vas? Bonjour, désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci, comment tu vas? Coucou, c'est mangé. Ouais, j'ai toujours le bug, ça casse la tête, franchement. Rêverie sexy. La tête de Gobert se souvient de Hilda Gall avec tendresse. Hilda Gall. C'est pas du tout la fille du roi, Hilda. Qui est Hilda? Qui est Hilda? J'ai eu peur. Qui est Hilda? Hilda, toi tu dois être amoureux de Gwendoline en fait. Il est hyper attiré et il a eu un coup de foudre pour Gwendoline. Donc elle, c'est elle la fille du roi. C'est qui Hilda? C'est pas la même ambiance. Mais c'est pas du tout la même ambiance. Ah non, mais là il a eu un vrai coup de foudre. Il a eu un coup de foudre pour une paysanne. Mais mec, tu dois tomber amoureux officiellement de la fille du roi. C'est ta destinée, mec. Pour devenir roi, il faut que tu tombes amoureux de la fille du roi et puis tuer le roi. Parce qu'on va tuer le roi. Il faut qu'on le tue. On n'a pas le choix. Comment vous dire? Hilda, tu... Écoute, Hilda, tu vas la laisser d'un côté, ok. Tu vas te la mettre sous le coude, mais c'est non. C'est un bon gros non, merci. Allez, tu vas relire ta compétence herboristerie, toi. Non, la gueuse. Eh ouais, c'est fini les gueux maintenant. Pourquoi tu lis sur le lit de ton bambinos là? Il est pas du tout en train d'augmenter sa compétence, vous êtes d'accord avec moi? Ok, ciao. T'es pas du tout en train d'augmenter ta compétence, vraiment pas. Et là, niveau 3, est-ce que tu peux ou pas? Quel bug? Des amendes. C'est les amendes, c'est les lois en fait, c'est pas des amendes. C'est en gros, on a des lois. Ah oh non, mais ce bug aussi. On a un problème avec les livres dans cette partie-là, je ne sais pas pourquoi. Concrètement, voilà où on en est. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais non, en gros, avec les lois et tout, c'est super chiant. Ou, à la majorité, vous pensez que je ne vais pas y arriver? D'ailleurs, on va faire un petit challenge aussi dans la prédiction, parce que sinon, c'est triché. On va dire que ce sera jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Bonjour Christine, merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement. C'est toi qui as créé la maison. Alors, c'est une maison du jeu de base, qui a été légèrement rénovée par les viewers, parce que je joue avec la save de mes viewers, vu que c'est un challenge qui a été créé par eux. Mais par contre, oui, j'ai tout reconstruit moi-même. Go 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 le niveau 10, c'est jusqu'à 20h, si à 20h je n'atteins pas le niveau 10 de la compétence, et bah c'est mort, voilà. Au moins on se dit pas jusqu'à la fin du stream vu que je peux aller jusqu'à 22h si j'en ai envie, tu vois. Moi j'ai claqué presque tous mes points à ce niveau, eh ouais mais vous êtes à 69% en train de dire que non je vais pas y arriver. Pourquoi tu lis pas? Purée c'est trop. Lis, voilà pourquoi on n'y arrive pas en fait, c'est parce qu'il ne m'écoute pas, il ne m'obéit pas. Tu vas vraiment t'asseoir ici comme un gueux là? Pourquoi t'es réveillé? T'as décidé de te réveiller, il est 2h du matin, mais en vrai t'as pas besoin. Dors franchement. Dors, dors, dors et repose-toi. Mais lis! Les gars, regardez. Mais c'est pour ça qu'on n'y arrive jamais. C'est parce qu'on lui demande de lire et il le fait pas. Franchement, quel homme nul.
Bah ça, du coup, vu que ça te sert plus à rien, on va le vendre et ça nous fera gagner 120 simflouz, du coup. T'es au niveau combien? Au niveau 7. On est au niveau 7 de la compétence. Déjà, on aimerait atteindre le niveau 8. Et à chaque fois que je vous demande, je vous le demande, hein, dans chaque épisode, j'ai l'impression que je le fais. Il y a quoi aussi pour l'herboristerie? Il n'y avait pas aussi le délire avec le barbecue, je sais pas quoi. Je crois qu'il en a marre de lire. Mais moi, j'en ai marre de lui. Donc voilà quoi. J'ai mis oui, mais j'espère vraiment que tu vas y arriver. J'espère aussi que je vais vraiment y arriver parce que j'ai très envie d'y arriver. Pourquoi t'es debout? Gontran de bouillon est debout et il pue du fiac. Bah écoute, maman va s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu fais? Attends, viens, on va donner un bain à Gontran, du coup. Voilà, tu vas faire ça et tu vas arrêter de réfléchir à la vie. Mais Sim, s'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Vous êtes une honte pour ce monde. Ah, mais c'est vrai qu'il y a une très mauvaise dynamique entre Godefroy de Bouillon et sa femme parce qu'ils se sont trompés. Mais ça, ils le savent pas. Ils savent pas qu'il y a eu adultère, les gars. Et j'ai Gontran qui a fait un cauchemar. Mais c'est pas grave, tu vas aller te prendre un petit bain là, tout tranquille. Non, il écoute jamais, mais parce qu'il est chiant, en fait. Il n'y a pas le bug du livre. Il y a le bug une fois tous les 36, en fait. Ok, toi, t'as fait ton petit truc. Est-ce que tu n'irais pas demander une histoire à ta maman, vu qu'il est quand même 5h du matin? Hermessandre est reparti carrément se coucher, mais sauf qu'elle en a pas besoin, quoi. Il se pose la question, pourquoi je fais des lives aussi puants? Il se pose la question. J'ai pas compris. Des lives? Allez, lis. Septaine, merci beaucoup pour le... Combien? Troisième mois d'abonnement, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Le mec, il a décidé d'aller lire sous l'orage. Non, mais n'importe quoi, je vous jure. Par contre, moi, j'en ai marre de l'orage. Je vous dis la vérité, je vais me mettre un petit temps ensoleillé, là. Voilà, j'ai bien envie d'un petit temps ensoleillé. Le poussin de Gaspard a éclos tout seul. Ah, il y a un poussin! Alors, attends. Attendez, 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 là, parce que ça commence à être compliqué. On va appeler Cunégonde et on va s'occuper, du coup, de notre poulailler. On va même demander à Gaspard de s'occuper des poules. On va disperser de la nourriture, on va ramasser les œufs et on va... Je crois qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose d'autre. Quoi? Pourquoi t'es terrifié? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que je fais dehors? Bah, il faut que tu t'occupes de ta ferme. On va vendre le miel. On va récupérer la cire d'abeille aussi. Et j'aimerais bien du coup qu'il bah, qu'il nous délie, ouais. Ouais, on a beaucoup de poules, on a beaucoup de choses. Toi, t'as appelé la vache. Elle est sale, Cunégonde. On va la laver, on va la nourrir et puis on va la traire. Elle se fait attaquer par des abeilles. Ma pauvre Hermessonde. Beaucoup de boulot, les poules. Ouais. Non, mais on a du taf avec la ferme et tout, hein. Lui, il est toujours pas au niveau 10, hein, je vous le dis, on est loin, et même le niveau 8, on en est encore loin. Gaspard commence dans 1 heure. Ah oui, parce que c'est vrai que je les ai fait tous travailler. Par contre, les femmes n'ont pas le droit. Et on gagne quand même de l'argent. La vache va vous enterrer, pourquoi tu dis ça? Non mais doucement, doucement, fais doucement, toi! Il se fait attaquer, le pauvre. Nouer des liens avec les abeilles. Essaye de nouer des liens, ouais, carrément. Et on est d'accord qu'il a pas du tout dispersé de la nourriture à proximité, il a rien fait. Il a rien fait du tout. C'est qui? Poussin femelle, comment on l'appelle? Je veux un nom en mode Moyen-Âge. Comme d'habitude, quoi. Ça change pas. Salut sur TikTok. MDR, les prénoms. Est-ce qu'il y a eu un petit Godefroy ou un petit Jacouille? On n'a pas eu Jacouille. Mais Godefroy, oui, c'est le nom de notre personnage principal. Jacqueline, Coquillette, Mathilde, Maurice, Hildegarde. Ouh, Hildegarde. Poussin Piou, Judith. Moi, j'aime bien hein, vos prénoms. Mauricette. Allez, Mauricette. Mauricette, je prends. Ok, cool. Nickel. Est-ce qu'on en a un autre de poussin? Non, on a Lisette. Donc là, les poules, nous avons Colette, Claude, Mauricette, on a Lisette et on a Paulette. Toi, mais c'est tout être, hein. Franchement, qu'est-ce que tu fais? Oui, non, mais tu vas aller travailler, hein. Tu vas aller travailler, mais direct, toi, tu fais quoi? Il travaille quand? J'essaye de m'occuper de tout le monde, mais... Ah, il travaille dans 3 jours. Bah, vous savez quoi? Vous allez récolter tout ça, là. Vous allez me faire des petites cueillettes. Alors... Pour me gagner de l'argent. On va aller dans la forêt, passe-temps, cueillir des fleurs. Tu vas y aller avec Gontran, Gustave et Gretel. Pourquoi il y a Jean-Goutte ici? Il manque Georgette. Il manque Georgette, c'est vrai. Ok, c'est bon. Elles ont mangé. Je pense pas qu'elle leur a donné à manger, hein. Merci pour le lurk. J'avais une poule qui s'appelait Lisette. C'est pas vrai. Sérieux? Tu vas faire une super vente. Ouh, 500 simflouz, c'est incroyable. Vous voyez, prise la main dans le sac. Pourquoi? Il est parti travailler, il est pris la main dans le sac. Enfin, je vous dis franchement, retenez bien le montant, 46 000 simflouz, je ne vais pas les payer. C'est mort. J'en ai marre de payer des amendes. Je suis exténuée de ça.
Pourquoi on peut pas... On peut pas... Pourquoi elle peut pas? Elle est beaucoup trop mal à l'aise. Pour quelle raison? Parce que c'est sale dehors. Mais il y a quoi dehors, en fait, pour que ce soit sale? Mais elle est en train de passer... Elle est en train de tout nettoyer alors qu'il y a rien du tout, quoi. Il y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, jette. Ah non, ouvrir, pardon, non. Je suis dégoûtée. Ah, je suis dégoûtée. Ouvre, je sais pas ce que c'est. Fais un truc. Ok, c'est bien. Et Hermesand, elle a été prise la main dans le 5. Mais vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a aucune raison. Ça m'énerve. Oh, regarde. What? Regardez tout ce qu'on a. Oh là là, mais tout ce qu'on va vendre. Mais tout ce qu'on va vendre. Ça, on vend. Et ça, je garde. 500 balles. Ça part. Et là, tu vois, si je veux aller payer mes amendes. Payer l'amende. De déposer une demande d'abrogation. Je sais pas, ça sert, je sais pas à quoi ça sert, ce truc. Et payer l'amende, on va voir. Union des gourmands, économie d'électricité. Amour pour tous. Union des gourmands, ouais. 1000 balles! On va la payer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au moins, je fais ça, tu vois. Mais si c'est comme ça, à chaque fois, ça va pas le faire. Je vais vendre ça. Elle est toujours hyper mal à l'aise, mais elle est chiante. Parce qu'elle n'a aucunement... Elle a pas de raison. Est-ce qu'il y a encore de quoi faire du... Non. J'allais dire, il y a encore de quoi faire du ménage. Pas vraiment, non. Fais une super vente avec ça, s'il te plaît. Et elle a très cunégonde ou pas? Appelle-la. Elle passe la serpillière sur la pelouse. Mais grave! Elle est chiante à faire ça. Est-ce qu'on peut arroser? Prendre une bouture? Non. Par contre, on peut aller parler à elle. Discuter avec l'épouvantail. On va discuter des oiseaux. L'abrogation, c'est pour retirer les plans d'action. Ah oui, c'est vrai que je joue jamais avec ça. Mettre en doute la capacité. Non, parler de tout et de rien. Chercher des graines dans les poches. Discuter encore. Moi, j'ai envie de bien sympathiser. Sors de ton tronc d'arbre, là. Mes enfants sont rentrés. J'ai quoi dans les poches? On va vendre. C'est pas ouf, hein, 110 balles. C'est vraiment pas assez. Ouh, par contre, Gretel, elle a trouvé plein de choses. Et il va falloir qu'on fasse vraiment le mariage et on va pouvoir gagner 500 simflouz avec ça, les gars. La dot, elle est combien pour les nobles? Vous savez, ceux qui m'ont créé le challenge, s'il vous plaît, ou pas? Ce serait cool si vous me le disiez parce que j'ai pas mis... En fait, j'ai pas le mémo. Faudrait que j'aille le chercher et j'avoue que je l'ai pas installé près de moi. Pourquoi tu peux pas vendre? C'est un malade. Vends. Ah mais parce qu'il est pas rentré. D'accord, ok, j'ai compris. Je croyais qu'il était à la maison depuis tout à l'heure. Je me bute. Je sais pas s'ils sont là. Ben je crois si, il y a Mimi, il y a Manon et tout. Je crois hein. Je vais demander à Hermesand de faire à manger. Alors, cuisiner, servir le brunch. On peut faire une salade de fruits. Carrément, 10h du mat, c'est cool. Godefroy, il est parti bosser. Gobert, il travaille aussi. Et lui, il travaille dans 3 jours. Mais ouais, mais c'est dans longtemps ça. On va aller... Dans la forêt, on va aller chasser, lui, on va lui demander d'aller chasser. Et j'aimerais bien qu'elle, elle aille du coup aller encore cueillir des fleurs. Je veux bien, avec Gustave. Il y aura une robe de mariée, car du coup, elle va devoir se marier avec une robe de couleur. Je vais voir, on va essayer de lui programmer du coup son mariage et faire ça, quoi. Mais de toute façon, il faut qu'on continue un peu avec sa relation, parce que là, en gros, Ambroise, on en est là. On est juste en couple. On n'est pas fiancé, donc il faudrait qu'ils nous demandent en fiançailles et qu'ils viennent du coup à la maison pour demander la main de notre fille. Donc on aille se mettre dans sa peau à lui. Pourquoi pas faire ça? Ouais, il est sur Curseforge, exact. Mais s'il a été mis à jour, bah j'ai pas la mise à jour alors. Je suis allée voir mon grand-père, il m'a pas reconnu, mais bon, c'est la maladie qui veut ça. Oh non, c'est trop triste. Ça, c'est beaucoup trop triste par contre. Je suis désolée pour toi. Toi, tu vas nettoyer ça après parce que c'est vrai que là ça commence à être crade de fou. Coucou, je trouve enfin un peu de temps pour passer voir ce qui se passe ici. Comment ça va, Kaina? Ouais, mais donc je sais pas. Voulez-vous l'épouser de fou? Il va vouloir. Ok, on est au niveau 10 de la compétence cuisine. Donc là, elle est beaucoup trop forte en fait. T'es beaucoup trop forte. Ça, je vais le mettre du coup dans notre garde-manger pour pas que ça... Périm, j'espère que je l'ai bien fait. Qui m'a fait gagner 470 simflouz là? C'est Gaspard? Mais t'es trop fort mon petit Gaspou là. Trop stylé.
Fabriquer un assortiment, nanana, de savon, contacter le réparateur. Bah, répare-le-toi, hein. En vrai, je pense que c'est le mieux à faire. Est-ce qu'il a des choses dans son inventaire, lui, à vendre? Mais oui! Mais voilà! Mais regardez ça! 9. On a 9 œufs. C'est trop bien. Sauf, je viens de me poser. Une. J'ai pas compris, Lolo. J'ai pas compris ce que ta phrase. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît? Tu vas aller pêcher. Pourquoi tu veux pas pêcher tout seul? Mais pêche tout seul! Salut, loup blanc! Donc, ouais, je sais pas si la dot elle est plus chère. À pêcher, va. Allez, arrête de faire le bête. Toi, il aime la pêche. En plus, ça va nous faire gagner de l'argent. La moula à mort. Faudra que j'aille voir. Godefroy, il est rentré. Il est hyper fatigué. Donc, je vais le faire se coucher. Coucou, Lolo. Coucou à tous ceux qui arrivent. Comment allez-vous, les gars? Gretel, elle a super faim. Donc, tu vas aller manger. Pourquoi elle est pas... Elle est pas allée le réparer, on est d'accord? Prends des restes. Pourquoi t'es pas allée réparer, ma soeur? Va. Fatiguée, genre. Ok, c'est bien. Dis-moi, mon chat, la dot pour les nobles, on est de combien? Mais je sais pas, du coup, ouais. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir, en vrai. Je sais pas trop. Du coup, elle est en train de le réparer. Les chevaux, ça va super bien aller avec ce let's play. Grave. Vous voyez, Gontran a été pris la main dans le sac. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être pris la main dans le sac? Il demande à sa sœur de lui lire un livre. Enfin, vous vous rendez compte quand même où on en est, là? Je vous dis, je vais pas les payer. Retenez bien, 47 000 simflouz, là, c'est bon. Mais ça veut dire que le mec, il va falloir qu'on le gifle. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Non, touche pas. Ok, t'as réparé, on va aller faire ça. On va chercher des pièces, quand même. Et puis après, tu vas les jeter. Il est malicieux, ce petit... Je sais pas ce qu'il fait. Franchement, c'est insupportable. C'est full buggé, ce truc. De toute façon, il faudra que je mette la mise à jour sans problème, je pense. Tu vas les jeter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des pommes de terre et on a ça. On va les vendre et on va se fabriquer des petits savons. Qu'en pensez-vous? Les appareils électroniques ne fonctionnent pas sous la pluie. Oh god. Les lois se retirent à la mort du roi. Je sais pas du tout. Mais on va le tuer. Ça, je pense que ça y est, quoi. Est-ce que je me ferais pas un petit coin, là? Genre, à la limite. Je me dis, là, il y en a marre, en fait. Est-ce qu'on se rajouterait pas un mur, quoi? Quelque chose, je sais pas. Une extension, une pergola. Sourine, il est 18h. Merci! Ça, c'est cool, ça. Que tu m'y fasses penser, merci beaucoup. Je vais poster mon TikTok, 30 secondes. La meuf qui fait les choses devant vous, normal. Le TikTok, d'ailleurs, sur le Royal Timot, si ça, c'est pas fou. Bon, comment je fais? Est-ce que je fais une extension comme ça, avec du coup plafond, ou pas? Je vais voir, attends. On va mettre du coup ça là. Ouais. Ça là. Ça peut pas monter plus. Aïe 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 aïe, ça a saoulé ça. Et ouais. Merci beaucoup Eugénie16 pour le follow, c'est gentil. Bienvenue. Est-ce qu'on se mettrait pas du coup, bah la même. Ça là. Ouais. Magnifique frise. Ouais. Pour Guépé. C'est la même couleur ou pas? Ouais, ça c'est la même couleur. La question c'est, est-ce que ça va bien couvrir le truc? Si je pète ça, 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 hop, hop, hop. Et est-ce que je ferai pas la même chose? Salut Karma! Ok, bah nous on est en classe entre guillemets moyenne encore. Du coup je me dis que bah il faut pas mettre de rouge. Du coup, tu vois. La maison est incroyable. Merci, c'est gentil. Merci, Saza, pour ton follow. Bienvenue. Ça fait plaisir. Bon, c'est très approximatif, hein. On peut pas se centrer, ça. En fait... En fait, je suis en train de me demander... Si on la met comme ça, c'est bizarre. Et si je monte ça un peu plus et que ça...
Je sais pas si j'aime en fait. Je sais pas si j'aime vraiment ce ça. Je vais voir. Je vais l'enlever. Ça me fait gagner de les sous. Pour les nobles, c'est 5000. La dot, c'est 5000. Donc on va gagner 5000 simflouz à la mariée. Nickel. Nickel, nickel alors. Je vais monter ça un peu plus. Ok, et... J'aime bien l'effet biscornu. Ouais, j'aime bien aussi en vrai. Est-ce que je peux pas mettre ça? Yes. Pour habiller un peu, il nous montre son fiac comme ça. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir répondu, c'est cool. Et vu que... Qu'est-ce, on pourrait rajouter d'autres trucs ou... Non, c'est peut-être pas pertinent là. Ça va, je pense que ça passe et au moins on pourra construire, tu vois. Est-ce que aussi... Je vais voir l'intérieur, attendez. Franchement, je vais tirer ça. Je vais l'amener là. Voilà, ça fait une chambre très longue, mais... Ça ne me dérange point. Et ça, du coup, on le recentre par ici. Et du coup, ça, on met un truc là et un truc là. Ou juste là. Ouais, si, je vais faire ça. Écoutez, ce sera pas mal. Mais par contre, le sol, moi, je veux pas. Voilà. C'est bon ? Je cherche... Ah, c'est pas les mêmes. Attends. C'est lesquels que je veux, moi. Ça, c'est pas mal, après, hein. Je sais pas si je le mettrai pas partout. C'est lesquels? C'est ceux-là. Voilà, parfait. Et là... Hop. Ce sera pas mal. On va mettre un peu plus de ça. Et ça. Comme ça. Moi, j'aime mieux. La maison est trop bien faite. Merci. Ça fait trop plaisir, franchement. Attendez, du coup, mon TikTok, il est posté. Ça marche, c'est bon. Non, ça, c'est bien. Et on va se rajouter... Un petit peu de terre. Pour rendre ça un peu plus crado. J'aime bien faire un peu de réno comme ça. Hop. Voilà. Ça aussi par là. Parfait. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Là, par contre, si. Là, un peu. Vu que c'est gratuit, on le fait. Là. On parsème. J'ai réussi à modifier. J'ai essayé de faire des trucs, mais non, ça n'a pas marché. Donc c'est chiant. C'est un peu chiant. Écoutez, c'est pas grave. De toute façon, au pire, on a dit qu'on le prenait pas en compte et qu'on allait faire comme on pouvait avec ce qu'on avait. Hein. Honnêtement. Hein. Hop. Et on va pouvoir faire la même de ce côté et là. J'aime bien jouer avec les peintures de terrain parce que je trouve que ça rend la chose un petit peu plus réaliste. Vous voyez, ça rajoute de la texture et tout. Moi, j'aime bien. Ok. Pas mal. Grave cool. La dot est basée sur ta classe. Mais moi, je suis en classe moyenne. Donc, c'est 2000. Ok, nickel. 2000 et pas 5000. 5000 quand on est noble. Ça marche. Salut Nakenoma. Je vous abandonne. J'espère pouvoir revenir plus tard. Des bisous. Des bisous, Prissy. T'as réussi à modifier les lois, du coup j'ai répondu. Salut Sarcelle! Les plantes sur les, c'est dans quel pack sur les quoi? Vent, vent. En vrai, vent, vent. Bon, par contre, la pluie, tout ça. Du coup, elle peut aller là, faire son savon. Tu vas fabriquer du savon. Ouais. Tu vas nous faire du savon basilic parce que ça coûte zéro simflouz. Celui-là aussi, à la myrtille, c'est pas mal. Et il n'y en a pas un autre à zéro. Et étoile de mer violette. Pff, pourquoi faire? Je sais pas. Je vais sauvegarder. C'est vrai que quand tu laisses la pelouse identique de partout, ça fait très gazon synthétique. C'est ça. À croire, je suis extérieure au challenge.
Il craint le lolo. Non, mais t'inquiète, mais même moi, j'ai pas retenu, hein. C'est quoi la sauvegarde sur laquelle tu joues? C'est la sauvegarde de mes viewers, mais je rénove moi-même mes trucs après. Mais sinon, il y a plein de maisons qui ont été aussi prises de la galerie. Par exemple, le château que vous aimez beaucoup, je sais que c'est Mister C qui l'a fait. Agathe, merci pour le follow, c'est gentil. Gaspard vient d'attraper une plante vache, mais mon petit Gaspou. Par contre, sous la pluie, on en parle qu'il va crever, en fait. Le pauvre. Est-ce qu'on la plante, la plante vache, ou on la vend? On la plante. Est-ce que tu mets tes Sims dans la galerie? Oui. Mais souvent, je les mets à la fin de mes challenges. On plante la plante vache ou pas? Ou il n'y a pas besoin? J'ai pas de place, en fait, sur mon terrain. Là, le seul truc que je puisse faire, c'est la mettre, genre... Je sais pas. Je sais même pas. Merci, Floratitude, pour ton follow. Bienvenue. À part la mettre ici, je ne sais pas. Tu vois? Merci beaucoup pour tous vos follows. Ça me fait trop plaisir, en vrai. Merci, Loïs Lanoub, pour ton follow. Bienvenue. L'école enseigne des choses importantes. Mais tu ne vas pas à l'école. Tu apprends à lire et à écrire solo, quoi. Mais il me saoule! Il me saoule! Regardez ça! Mais regardez Gustave de Bouillon de mort, là. Le mec, il est content. Le mec, il s'est dit, ouais, vas-y, tu sais quoi? Je vais foutre, je vais foutre le dawa devant la porte. Je vais le gifler. C'est les durs labeurs. Durs labeurs. Salut, petit chat. Ciao! Fais une sieste maintenant. À me dégueulasser tout comme ça, là. Tout désherbé, vas-y. J'en peux plus de cette pluie. S'il te plaît, ensoleille-moi. Deux secondes. Laisse-moi respirer. T'es qui? Ambroise! Le futur mari de notre fille est venu! Ambroise... Non mais il faut qu'on se débarrasse de nos gosses. Il faut qu'on se débarrasse de nos gosses tout doucement. Il est là. Il est venu. Mandier. Elle va aller lui parler. Amour. Comment ça, cracrac? Pas du tout. Il n'y avait pas un délire où elle a fait cracrac d'ailleurs et on ne sait pas si elle est enceinte. Il n'y avait pas un délire comme ça? Non, elle l'a pas fait. Non, non, non. Amour, flirt, complimenter l'apparence. Va le voir. Lui, il dort, c'est un tapis de douche. Mais désherbe! Allez, voilà. Merci. Tout désherbé et voilà. Bonjour. Toi, t'es un peu de trop là. N'hésite pas à je sais pas, en fait, à faire autre chose. Le père, il faut qu'il aille le voir. Qui se pisse dessus? Qui s'est pissé dessus? Mais non, mais c'est horrible. Arrêtez de vous pisser dessus. Ok, son futur mari, il est là. Tu veux pas te marier avec moi, mec? Pourquoi t'es mal à l'aise, d'ailleurs? Prise la main dans le sac. Mais pourquoi? Mais... Je vous dis, je paye plus. Nani, merci pour ton follow, bienvenue. Intimité physique, je vais l'enlacer. On va faire doucement. Amour, flirt, je vais lui envoyer un bisou. Et le padre va venir. Pas mal le tapis de douche. Eh, c'est collection printemps-été. Hein. N'oublie pas de dire bonjour, Sissou. Je le fais que avec Godefroy, parce que si je le fais avec tous mes Sims, on va vraiment plus s'en sortir. Mais du coup, lui, il va lui dire bonjour, ouais. Bon, bonjour. Bonjour. Mon futur beau-fils. Mais t'as giflé qui? Mais il devait gifler quelqu'un. Il a giflé lui, citrouille. Le mec, je lui demande de gifler lui. Il est parti me gifler lui. Salut Niloc. Il tape le vent. Ça a bugué, il a frappé lui, citrouille. Mais écoutez, ça compte quand même. Comme une gifle. Bon, prise la main dans le sac, c'est bon là, non? Bon, mec, salut en disant bonjour. Tu vas te marier avec ma fille, ok? Pouvez-vous vous déplacer dans le monde de l'UFC ou ailleurs? Nous n'avons pas besoin de Sims comme vous dans le monde des Sims. Oh là là, ça va pas du tout. Petit problème dans la matrice. Tout le monde déteste Godefroy de Bouillon, je sais pas pourquoi. Je me pose des questions. Faites les choses en douceur, mais faites-les. Merci pour ton conseil. Bon, mec, j'aimerais que tu parles... Comment ça, je dois vraiment y aller? Non! Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Est-ce que vous voulez que je lui demande moi en mariage ou ce soit lui qui me demande ou alors on prend possession de lui? Je sais pas trop, parce qu'il pourrait le demander, mais ça pourrait durer mais des heures et des heures et des heures entières. Parler de mariage, oui. On parle de mariage, bien sûr. On est avec notre daron, on parle de mariage. J'ai vu tes shorts sur YouTube et j'étais MDR. Salut Mira, c'est gentil d'être là.
On peut parler de mariage? Ok, il s'inclut dans la discussion, donc c'est cool. T'en penses quoi? Qu'on se marie, quoi. Mais non, vous avez désépinglé le... Ça a tout fait bugger. Tout a été bugué. Est-ce que vous pouvez réépingler les modos, s'il vous plaît, la vidéo YouTube? Merci. Le rip. J'ai ripé, moi aussi. Affection. Prétend éprouver un amour éternel, donc on va le dire devant notre père. Ok. Amour. Intimité physique, je pense qu'on peut lui caresser la joue à la limite, tu vois. Waouh. Eh, mais c'est lui qui devrait nous faire ça, hein. Athéna, t'es sérieuse? Nous avons encore une fois une roue du handicap. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de négatifs, mais pas assez de positifs dans ce stream. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vraiment. Je ne sais pas. Et vous voulez que ce soit un carnage, en fait, ma vie. Merci, Elie, pour le follow, bienvenue. Je dois activer tous les défis de terrain. Flo, merci beaucoup pour le 5e mois. Tu me mets du baume au cœur. Merci beaucoup. Merci, 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 merci infiniment. Je dois activer tous les défis de terrain. En réseau, hein, on a dit hein, les lumières, tout ça. Le clair-obscur et tout. Merci, hein. Merci. Entre les gifles et ça, on est bien. Allez, Sissou, je te donne un petit positif. Oh, Delph, voilà. Mais voilà quelqu'un de positif. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Vraiment. Allez, satisfaisons les besoins du monde entier. Ok. Tu as l'air très contente. Je suis ravie. Bon. Arrête de crier, mon ref, là derrière. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez entendu le hurlement de fou. Bon, allez à la chasse et tout, là. Forêt, on va cueillir. Vous allez, du coup, tac, tac, tac. Toi, tu restes. Toi, tu y vas. Allez, on va cueillir des choses. L'argent. Vous l'avez entendu hurler, c'était impressionnant. Bon, le papa, hein, herboristerie. Je veux devenir joueuse de basket. Comme ça, je gagnerai tous mes matchs. Mais tu ne sais pas ce que c'est que le basket. Salut, Ursula. Comment vas-tu? Arrêtez d'utiliser le téléphone. Faut vraiment que je m'occupe de tout télécharger là. Tous les mods et tout pour le téléphone, etc. etc. C'est beaucoup mieux. Ils se font un câlin, c'est trop mignon. La Lisa, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Et merci de m'avoir suivi sur TikTok, c'est gentil. Il faut sourire à la vie. Et la vie te sourira, c'est ça? Ouais, je vais bien, merci. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a demandé un truc. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi et j'espère que c'est réciproque. C'est totalement réciproque. Oh, il veut me faire un massage devant mon père qui est en train d'augmenter sa compétence. Waouh, waouh, le gros bisou. Ok, il faut qu'on fasse pour le mariage, ok. Il faut qu'on s'occupe de ça à mort. Il n'y a pas de balle de promo pour nous, je suis désolée. On n'ira pas. Ne tenez pas compte de ça. Faire une sortie ensemble, non. Flirter, je vais flirter avec lui à mort. Et j'aimerais vraiment qu'on parle de mariage. Affection, proposer un rencard. Échanger des anneaux, oui. On peut échanger des anneaux, genre, tu vois, c'est un bout de bois, le truc. Échanger des anneaux en mode, on sera ensemble toute notre vie. Par contre, vu qu'ils sont adolescents, je peux les marier. Salut, la Lisa. Comment tu vas? Bienvenue à toi ici. Ils sont ados, je pense pas que je puisse marier des ados. On va regarder un peu. Audrey, merci beaucoup pour le 5e mois et merci pour ce train de la hype qui est en approche encore une fois. Mais vous êtes trop gentils, merci beaucoup. Vous êtes des génies et géniaux. Voilà. Les gars, c'est samedi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gustave. C'est l'anniversaire de Gontran, Hermessande et Godefroy. Hermessande et Godefroy vont devenir des papis. Coucou Toka Boka. Ouais, ça va très bien, merci. Ils vont devenir vieux. Oh. Et Gretel va devenir du coup jeune adulte demain, donc elle pourra se marier très rapidement. Ok, c'est cool. C'est trop trop bien. Il faudra que je le fasse grandir lui aussi, je pense. Ambroise vient de s'engager pour la vie dans une relation avec Gretel du coup. Ok, c'est bien. Je vais lui demander s'il m'aime. Est-ce que tu m'aimes? Tu peux les marier en modifiant les paramètres avec le MC Command Center. Bah du coup là, vu qu'elle grandit demain, je pense que ce sera pas utile et tant mieux. Comme ça on n'aura pas plein de manipulations à faire, tu vois. Ambroise, comment ça il m'appelle? Mais comment ça tu m'appelles? Je suis là.
Non, je regrette, mais je préfère être honnête avec toi. Il m'aime pas. Oh, merci beaucoup, Prudence. Merci beaucoup pour ton Prime. Bienvenue à toi parmi les perruches. Merci, 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 merci. Ça fait trop plaisir. Et merci pour ce train de la hype qui redémarre pour la deuxième fois. Vous êtes trop mums. Salut Bordalienne, je vous fais de gros bisous. Je pose mon lurk pour aller bosser comme d'hab. C'est redondant à la longue. Bon courage pour le travail et merci pour le lurk. C'est très gentil. Courage à toi. Merci pour ce train de la hype. Je sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce que? Ah, il est rentré. Moi, je veux qu'on se marie. Je veux qu'on se marie, s'il vous plaît. Pitié, pitié. Intimité physique, plus de choix. Se bécoter, se tenir la main. Faire une sortie ensemble. Affection, il n'y a pas autre chose. J'ai pas plus de choses que ça. Tu es mon âme sœur, je vais lui dire. Bon, le mec, il n'est pas amoureux de nous, donc il nous a bâché concrètement, quoi. Bon, on va attendre qu'elle grandisse et puis je pense que ce sera bon. Tu vois, ce sera très très bien. Just go away, rentre à la maison, on se revoit quand je grandis. Par contre, là, c'est l'anniversaire de beaucoup de monde, rappelez-vous. Il va falloir donc qu'on aille faire des petits relookings. Et ça, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Allez, est-ce que j'ai de quoi faire des gâteaux d'anniversaire? Dites-moi que oui quand même. Merci Maëlys pour les 10 bits. Est-ce que j'ai de quoi? J'ai super faim, j'ai pas mangé aujourd'hui, c'est horrible. Il me faut des œufs. Aïe, je n'ai pas d'œufs. Gâteau au chocolat, il me faut rien. Gâteau au confetti, bah il me faut des œufs quoi. Est-ce que j'ai oublié d'en prendre? Il nous a friendzone. Non, en vrai on est en couple, tu vois, mais il est en mode je t'aime pas encore. Ah, ramasser les œufs, on peut pas? Pas encore d'œufs. Ok, ben yes. Écoutez, sinon on le fait avec le MCC. Hein. Franchement, moi je suis pressée, je vais le faire avec le MCC. Je suis désolée. Je veux trop qu'il grandisse. Anniversaire. Oh, elle va devenir du coup personne âgée. Waouh. Le vieil âge. Au programme, ventre plissé, cheveux blancs et longue sieste. Oh, elle a les cheveux tout blancs. Godefroy aussi, il doit grandir. Ta vache, elle pue, c'est probable. Tant pis pour elle, hein. Anniversaire. Personne âgée. Ouais, je vais les relooker, bien sûr. Godefroy a vieilli, il a les cheveux tout blancs, mon Godefroy! Bébou! Ok, j'ai qui d'autre? Arrête de provoquer le vent là. Et on a du coup Gontran et Gustave. Ah, Gustave, il va devenir ado! Ouais, ça fait trop bizarre de les voir comme ça. Ça fait trop trop bizarre. Donc toi, tu vas devenir ado. Oh là là. Il sera donc 1, 2, 3. Mal à l'aise en société. Salut Béa! Et je vais demander à Siri du coup de choisir. Dis Siri. Choisis un nombre entre 1 et 15. Ça fait 5. Famille. Dis Siri. Dis Siri. Choisis un nombre entre 1 et 4. Le résultat est 1. Grande famille heureuse, si c'est pas pipou ça. Et coucou à tous ceux qui arrivent, salut Béa. Un gros mot égale un gage, c'est quoi le gage? Bientôt leur tombe dans le jardin, c'est ça. Salut Yoshi. Ok, cool. Il a une guitare dans la main. Il a un gobelet Starbucks, un truc pour faire de la peinture et une guitare. Ok, voilà, on ne regarde pas, hein, n'est-ce pas? Waouh, les CC, tout ça, quand ça se mélange, c'est incroyable. Enfant, toi, vas-y, bouge. Il est vraiment 1, 2, 3. Joyeux! Et je vais mettre un truc au pif. Et c'est quoi? Corps et esprit. Ok, si tu veux. Ok, nous allons du coup sauvegarder et nous rendre dans le CES pour faire le petit relooking parce que c'est important. Surtout qu'ils sont devenus vieux. Ah non. Ça fait trop bizarre vu que j'ai raté des épisodes. J'ai l'impression que c'était hier que tu as démarré et ils sont déjà vieux. Mais t'as vu? Après, on a envie courte, hein. On est aussi en vie courte, du coup, ça joue un petit peu. Salut Sylvain! J'étais pas dispo, ça va bien? Oui, ça va et toi? Salut Simzy the Beast Real. Ah non, je suis plus du Sims dans mon foyer. Quittez. Je suis à plus du Sims dans mon foyer. On va commencer par le principal, les amis. Le principal, c'est les vieux. Et l'ado. Merci beaucoup, Béa, pour le follow. Bienvenue. On est bientôt 23 000 followers sur Twitch. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour ça. Et merci sur TikTok. J'avais pas vu les cœurs comme ça. Merci beaucoup. Vous êtes trop chou. C'est chiant que ce soit pas assez visible, ce chat, là, TikTok. Allez, Godefroy, viens! Personnage principal, modifié dans le CES à part. Ma journée s'est super bien passée, ouais, carrément.
Regardez-le. Godefroy. Mais Godefroy. On va lui laisser les cheveux blancs, hein. Forcément. Hein. Mon Dieu. Ça me fait trop bizarre. Est-ce que je lui mettrais pas une barbe plus longue? Je peux pas la sortir aux cheveux? Quoi? Y a pas de blanc là. Comment ça? Oh là 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 là, attends. Oh, y a elle. Coucou, j'adore les CC. Coucou Erika. Coucou, c'est quoi le mode pour le Moyen-Âge? Tu as tout en épinglé sur le chat. J'ai fait une vidéo YouTube. Tu as tout un tutoriel où j'explique le mode. T'as le lien, t'as tout. Et t'as la traduction en français qui est dans mon Discord. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien et tu auras toutes tes infos. J'aime beaucoup. Qu'en pensez-vous? Je lui change sa coupe de cheveux du coup ou pas? On lui met une calvasse. Merci Erika pour ton follow, bienvenue. On va lui mettre une calvasse, hein. J'ai envie de te dire là. Ou alors ça, hein. Après tout, on n'est pas loin d'être noble. Ça sinon, ça c'est bien. Naëlysio, merci beaucoup pour ton prime et ton 5e mois, c'est trop mignon. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat s'il vous plaît, c'est adorable. Ça c'est pas mal je trouve. Mais c'est la même coupe que le roi, donc non. En fait, je viens de m'en rendre compte, le roi a cette coupe. Ça n'ira pas, attends. Sinon il y a ça. Ça. Ça c'est pas mal. J'aime bien. Mais j'ai pas vu le gage pour le gros mot. C'est quoi mon gage? Faut que je l'accepte d'abord. Plutôt comme ça. Ah c'est bien là. J'ai vraiment vieux, hein. J'ai grave vieux. Alphabet à l'envers. Comment ça alphabet à l'envers? Je dois dire l'alphabet à l'envers? Qu'est-ce qu'il a avec ses signes de joule l'autre? Ok, je prends le gage pendant 5 minutes, je dois pas dire de gros mots, ça commence maintenant. Bon. Quelle coupe de cheveux allons-nous lui mettre? Reran. Je ne sais point. Après, on peut... Oh non. Oh non, surtout pas. Non, non, non. Là, je l'imagine pas comme ça. Il est vieux. Enfin, il a vieilli. En tout cas, ça y est, c'est une personne âgée. Il faut lui trouver une coupe qui lui aille bien, quoi. C'est top. Ouais. Peut-être pour la fin. Pas pour là. Sinon, je lui laisse la même coupe, mais bon. Après, il y a ça. Plus long, sinon. Ça fait vraiment papa ours, là. J'aime bien les cheveux longs. C'est la même coupe que son fils. Est-ce que j'améliorerais pas aussi rapidement sa tenue? Moi, j'aime bien comme ça. Je pense que je vais lui laisser. Il aura la même coupe de cheveux que son fils. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est mieux. Ouais, allez, on va laisser ça. Pour les tenues, je vais essayer d'upgrade un petit peu, mais pas grand-chose, parce que, bah, je vous dis, on n'est pas encore noble, il faut qu'on atteigne les 66 000 simflous, si je vous dis pas de bêtises. Moi, je vais garder cette coiffure, je la trouve cool. Ça... Ouais... C'est pas mal. Là, on a un truc. Et merci beaucoup, Léa, pour ton follow, bienvenue, coucou sur TikTok. Est-ce que j'ai le bas qui va avec? Attendez, je vais me mettre dans... contenu personnalisé, je vais voir ce que j'ai. Il y a... Oh, ça, ça peut être pas mal. Il y a ça aussi. Bah, moi, j'aime bien. Comme ça, c'est mieux. J'aime bien. Toujours plus de blanc. Et alors, c'est quoi le problème avec le fait que ce soit... qu'il y ait du blanc? Je comprends pas. Les chaussures, on va lui mettre les... celle-là, là. Mais j'aime bien. Non, ce que tu avais mis tout à l'heure, c'était top, pas chauve, mais long, c'est nickel aussi. Ouais, moi, j'aime bien comme ça. Franchement, je trouve qu'il a une bonne tête. Je vais pas lui changer toutes ses fringues, parce que... voilà. Flemme, un peu. J'ai mes voisins qui ont décidé de trouer des choses, de faire des trous dans leur mur. Du coup, c'est peut-être un petit peu casse-bonbon. Pour pas dire de gros mots. Hein? Un t-shirt? Ça fait pas Moyen-Âge.
Il est sympa en vieillard. Il est pipou. Le t-shirt, là, on est d'accord que ça fait pas du tout. Ça fait pas du tout, quoi. Je suis pas hypée. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Je sais pas. En plus, je lui ai enlevé tenue temps chaud, du coup, forcément. Non, là, ça, c'est pas fou. Non. Ça non plus. Par rapport à Discord, ça ne bouge pas les points de chaîne si on bouge l'abonnement. C'est quoi le rapport avec Discord? J'ai pas compris. Je pense que vraiment, je vais pas me prendre la tête, je vais le laisser torse nu. Ah! Bah oui. Ce fameux mode qui est assez dommage. Débardeur, c'est Moyen-Âge. C'est carrément Moyen-Âge, bien sûr. Non, je vais laisser comme ça. Et pour là, je vais lui remettre la même tenue que j'avais vue tout à l'heure. Donc, le même haut. Ça, c'est quoi? Ah ouais, c'est un. Non, c'est pas du tout adapté. Il est où mon truc? Ah d'accord, ok, j'ai pas suivi. Ça, c'est pas ça que je veux. Ça. Et quelle couleur? Comme ça? Enfoncé, c'est pas mal aussi. Et on lui remet, eh bien, le même pantalon, si on peut appeler ça un pantalon, comme ça. Avec les mêmes shoes. Je veille bien à pas dire de gros mots, hein. Voilà mon petit Godefroy. Qu'est-ce que vous en dites, notre chouchou? Ah ouais, non, mais là, il y a des imprimés tout carrément. Non, non, non. Je pense que je vais mettre ça, c'est mieux. J'aime bien. Là, il est pas mal. Il est beau gosse. Il est carrément beau gosse. Allez, on valide. Il fait un peu plus propre sur lui, je suis contente. Il va falloir qu'on fasse la même chose avec Hermès Sand. Et c'est bon, je peux redire des gros mots si j'ai envie. J'ai tenu les 5 minutes. Il est fort sympatoche, notre Godefroy. Ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien. Et puis maintenant, il est vieux. Donc ce serait bien qu'avant qu'il crève, le mec, on arrive à atteindre le niveau 10 de la compétence herboristerie, tu vois. Ok, donc lui, c'est bon. On va s'occuper maintenant de madame. Madame qui n'aura plus les cheveux longs, je pense. Re Sarah, j'ai plein de pubs, c'est relou. Ça, malheureusement, je n'y peux rien. Je suis désolée que vous ayez plein de pubs. Moi, j'ai fait en sorte avec. Parce qu'on a des réglages, en fait, si vous voulez, avec Twitch, où on peut choisir un petit peu le nombre. Enfin, pas le nombre de pubs, mais la fréquence de publicité. Et en fait, ça s'est un peu généralisé, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent en ce moment qu'il y a beaucoup de pubs, etc. Normalement, avec moi, vous devriez avoir une pub par heure. J'ai réglé la chose de sorte à ce que ce soit comme ça. Mais malheureusement, j'ai l'impression que Twitch en a rajouté et ça, je ne le contrôle absolument pas. Du coup, bah, je suis désolée que vous ayez beaucoup de pubs, quoi. Vous avez une pub par heure généralement, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai programmée. Après, c'est vrai que Twitch fait un peu ce qu'ils veulent et on n'a même pas en plus la possibilité de choisir les pubs que vous regardez. Donc ça, je suis vraiment désolée pour vous. La seule entre guillemets solution pour pas avoir de pub et c'est le jeu sur Twitch, c'est d'être d'être sub en fait. Donc voilà, je suis désolée pour vous. Moi j'ai fait au mieux, mais après Twitch ça reste aussi une source de. Enfin les pubs ça reste aussi une source de revenus. Et bah voilà, moi c'est une pub par heure et après je choisis pas la fréquence, je choisis rien, je suis désolée. Voilà. Alors on a compris que c'était chiant les gars. On a compris que c'était chiant, mais j'y peux rien, vraiment. Genre. Wow! Tu vois? Manoline, merci pour le follow, bienvenue. Bah ça me soutient, oui, mais la fréquence, c'est pas moi qui l'a choisi, tu vois. Avec un sub offert, on a quand même les pubs. Normalement, non, t'as pas les pubs. T'as pas du tout les publicités quand tu es sub. Ça, c'est la condition. Donc non. Tu n'as pas de publicité. Et merci du coup Manoline pour le follow également. Je sais pas si je l'ai dit, je me suis perdue. Qu'est-ce que je lui mets comme cheveux à la Miss? Vous avez pas de pub quand vous êtes sub, c'est impossible. C'est impossible. Sinon, là, pour le coup, ce serait du grand foutage de gueule. Et puis, il faut bien que tu gagnes ta vie, Sissou, c'est logique, je trouve. Mais dans tous les cas, dites-vous que même si
je ne choisis pas de fréquence de pub, etc. Vous aurez des pubs, en fait. Donc, dans tous les cas, ça, nous n'y pouvons rien. Ouais, je vais lui mettre les cheveux courts, je pense. Est-ce que je mettrais pas ça, du coup, vu qu'on n'est pas loin d'être à la noblesse? Une petite coiffure un peu plus propre sur elle. Moi, j'aime bien. Après, il y a ça. Ouais, ouais, on est d'accord. J'aime mieux. Allez, ça me va. Cette coupe-là me va bien. Par contre, les sourcils, madame. Bizarre. Ah non, mais moi, je te dis, c'est impossible quand t'es sub. À part s'il y a un truc qui s'est passé et on sait pas ce qui s'est passé, mais ça m'étonnerait. Vous n'avez pas de pub. Après, ça dépend, c'est quoi les pubs? Et ben, le truc, c'est qu'on ne les choisit pas, justement, les pubs en plus. Donc, je sais même pas ce que vous avez comme pub. Donc, voilà. Je vais lui mettre quoi? Normalement, j'ai pas mal de choses pour les femmes. En mode Moyen-Âge et tout. C'est quoi ça? Oula! Oula! Des pubs de films? Ouais, il y a souvent ça. Bah, c'est Amazon après, hein. Donc souvent c'est des films, des séries, des produits, je sais pas. De la bouffe, ah ouais? Et ouais, non mais je vous dis, hein, j'y peux rien malheureusement les gars, c'est comme ça. Je suis désolée, j'ai limité à une par heure et je trouve que c'est bien une par heure. Parce que si vous vous prenez des pubs ouais, toutes les 10 minutes, ça c'est insupportable, c'est chiant, mais même moi je supporterai pas, hein. Je ne supporterai pas. Bon, qu'est-ce qu'on met? Y a rien qui me dit là. Y a rien qui me hype. Bah ça, hein. Ça, c'est bien. Est-ce que vous avez aussi un bug avec les étapes de vie qui disparaissent quand on quitte le foyer? Ah, pas du tout. Pas du tout pour le coup. Bah de toute façon les gars, aujourd'hui la pub c'est partout, hein. Tu regardes la télé, t'as de la pub, tu vas au cinéma, t'as de la pub, tu regardes dans la rue, t'as de la pub, t'as de la pub partout. Tu peux pas y échapper, c'est comme ça. C'est... les pubs c'est partout, vraiment genre. Je vais lui mettre ça, ouais. YouTube c'est pareil, YouTube tu peux choisir ta fréquence de publicité. Mais des fois c'est aussi un petit peu imposé, ils font un peu ce qu'ils veulent, tu vois. Ça j'aime bien, vas-y je vais mettre ça. Tenue, ouais, on s'en fout, on s'en fout. Dodo. Vraiment, la tenue de dodo, je peux plus me la voir. Attends. C'est laquelle? Elle est où, sa tenue de dodo? Je la vois pas. Ah, ça! Non, il y a des boutons. Bon, non, je vais laisser comme c'était. Moi-même, avant d'être une perruque, j'avais pas de pub. Ah, ça, c'est bizarre, par contre. Je vais voir pour les chapeaux, ouais, carrément. Merci, Momitop, pour le follow, bienvenue. Tenue de fête. Sacrée tenue de fête, hein. Une belle tenue de soirée pour sortir, là, je te dis pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Je pense pas que j'ai des chapeaux, en fait. Je suis en train de réfléchir, je pense pas. YouTube, c'est toi qui choisis de mettre une vidéo en plein milieu? Non. Alors, tu peux choisir, en gros... tu peux choisir quel type de... Quel type? Comment expliquer? En gros, tu peux choisir les formats de... Comment expliquer? En fait, c'est pas toi qui choisis où la mettre. C'est YouTube qui choisit où te placer ta vidéo, mais c'est toi qui dis, bah, je veux une pub en carrousel, je veux une pub au début, ou je veux une pub à la fin, mais après, souvent, enfin, moi, je sais que j'appuie sur un truc automatique où c'est YouTube qui choisit, tu vois. Mais je crois qu'il y a un glitch avec les pubs et tout, machin, et souvent, c'est eux qui arrivent à choisir aussi le moment. Genre, ils arrivent à capter le suspense, tu vois, j'ai remarqué ça. Mais je pense qu'on a aussi la main là-dessus, mais je vous avoue que, me concernant, je fais pas trop gaffe, encore, à ce genre de choses-là. Genre, je mets le truc automatique et je sais que y a différentes façons d'avoir des publicités. Et souvent, t'as des... Moi, j'ai mis les publicités, par contre, que tu peux... passer, tu vois. Moi, je sais que j'ai mis ça. J'ai mis ces pubs-là. Tu peux les passer, tu peux cliquer sur le bouton passer et puis bam. Après, de toute façon, moi, je vous dis... C'est aussi une manière de gagner de l'argent. Donc, c'est un soutien également. Genre, grâce aux pubs, on gagne de l'argent sur YouTube, les gars. Hein.
C'est quoi ces trucs là? Vas-y, on s'en fout. Maillot de bain, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et ça, je vais lui enlever. Je suis trop jalouse, j'ai une pote qui va au concert des Blackpink en ce moment. Ah ouais, j'ai vu qu'elles étaient en concert, ouais. J'ai pas de chapeau, ouais, j'aurais pas. Ah si, j'ai ça. J'ai ça, mais... Je pense que ce sera suffisant, écoutez. Ce sera bien. Allez. C'est le relooking, il faut qu'il aille vite aussi. Hein. Saône-et-Loire. Je savais pas du tout qu'il y avait ce bug-là, Lila. Sur le concert d'Arctic Monkeys, c'était comment? C'était incroyable. Le concert des Arctic. C'est Arctic, pardon. C'était incroyable. J'ai kiffé ma life. J'ai adoré. J'ai passé un super moment. La musique était géniale. Alex Turner, c'est un dieu. C'est un truc de malade. Merci beaucoup, Chocolat, pour ton follow. Bienvenue. Ça veut dire que si on regarde, tu y gagnes un peu, toi. Si on passe, et si on passe, tu y gagnes rien. Si tu... Enfin, le mieux, c'est de regarder parce que oui, j'y gagne. J'y gagne dans tous les cas. En fait, YouTube, t'y gagnes grâce aux publicités principalement. Et plus vous mettez des commentaires, plus vous mettez des j'aime, et plus vous regardez la vidéo dans sa longueur, et plus elle est référencée, et plus elle est proposée sur YouTube. Et donc, plus de vues égale, du coup, plus de thunes. Concrètement, je vous la fais très courte, tu vois. Je vais sauvegarder et je vais finir par relooker, du coup, bah, les deux autres. C'est long, là. Ah non, mais c'était trop bien. Le concert des Arctic, vraiment, si vous pouvez aller les voir un jour dans votre vie, si vous aimez ce genre de musique, etc. Vraiment, c'est un truc de malade. J'ai passé un excellent moment. Le mec, il chante divinement bien, comme dans ses albums. J'ai adoré et tu apprécies vraiment la musique, quoi. Est-ce que tu pourrais me dire d'où vient ta gourde? Je l'ai acheté à la TwitchCon. Ok, je passerai pour les plus les pubs de ta chaîne alors. Bah, c'est gentil, petit chat, ça fait trop plaisir. C'est la première fois que je te vois en live, je suis trop contente. Merci, ça fait plaisir. Ce que je n'aime pas au sujet des pubs YouTube, c'est qu'ils ne filtrent pas toujours pour les âges. Ah ouais? Moi, je sais pas. Pour le coup, nous, les YouTubeurs, on ne choisit pas du tout le type de publicité que vous pouvez avoir. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas du tout sur quel type de pub vous pouvez tomber. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. C'est impossible. C'est un ménestrel. Non, mais t'as vu ça? Enlève les CC. Voilà, mais c'était quoi ce délire encore? Avec tous les bijoux, les machins. Alors, monsieur, on va te mettre des dents. Je sais pas, il y a des travaux au-dessus de ma tête, je sais pas ce qui se passe encore. Qu'est-ce qu'on lui met à ce petit monsieur? Je sais pas. Je vais lui mettre, de toute façon, on est au Moyen-Âge, hein, donc on va pas aller... voilà. Il est beau comme ça. Après, je pense que les publicités, elles sont adaptées aussi à vos contenus, non? Ouais, on a une mouette bricoleuse aujourd'hui. Il me casse la tête. Je peux plus me le voir. Voilà, je le dis ici, comme ça. Je peux plus me le voir. Foutage de gueule. Voilà, c'est tout. Mais bon. Qu'il bricole, y a pas de souci. Vivement que je me casse d'ici, hein. Oh là là. Des bisous, Manon. Bon taf. Après, il a le droit. Il a le droit. Moi aussi, j'ai le droit de streamer, du coup. L'après-midi. À 21h. Moi, je suis bornée hein, sur ça. Hein. J'aime pas... En fait, j'aime pas la mauvaise foi. J'aime pas la victimisation et la mauvaise foi. Du genre, ah, tu sais, je dors dans mon salon depuis 2 ans et je sais pas te le dire. Ouais. Viens le dire. On trouve des solutions. Ça, qui bricole à 18h, par contre. Ben, en fait, c'est... Je m'en fous qui bricole. C'est juste... Ne sois pas de mauvaise foi. Hello, loulou. Salut, néné. J'ai raté une histoire de la mouette. T'as rien raté, tu t'es arrêté. Si t'étais à jour depuis la dernière fois, ça a pas bougé. Hein. Ok, ça c'est pas mal. C'est pas mal. On va lui mettre les choses. Et là après, waouh, mais hey, je vous jure, on est dans un relooking. Truc de fou. La mouette, c'est mon voisin du dessus. C'est son nom de code. Faut pas le dire. Écoutez, je vais lui mettre des tenues aussi comme ça parce que au moins, tu vois. Hop. Cool. Aïe, 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 aïe. Kata. Si tu veux, je viens avec une batte et je lui arrache la tête. Mais en fait, en vrai, pour être très honnête avec vous, il a le droit de faire des travaux, il a le droit de faire des trucs. Mais en fait, ce que j'aime pas, comme je vous le disais, c'est vraiment la mauvaise foi de...
se mettre en position un petit peu de victime et de faire passer le truc en mode « Non, mais moi, je fais pas de bruit. » Bah si, t'en fais. Comme tout le monde, tu vois, on vit. Et après, ça vient te faire des grandes remarques. Donc voilà. Donc je râle. Non, mais moi, j'ai hâte de déménager, je vous dis la vérité. J'ai une hâte, j'ai qu'une hâte, c'est de partir de mon appartement. D'ailleurs, le mail au courtier a été envoyé. Ça y est, j'attends une réponse. Bon, j'imagine qu'il a fait le pont avec le 14 juillet, tout ça. J'attends vraiment sa réponse pour qu'on puisse prendre rendez-vous, pour qu'on puisse voir si moi, dans ma situation aujourd'hui, je peux déménager, quoi. Merci Ali pour le follow, bienvenue, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Pour qui je me prends, moi? Comment je parle? Je vous dis, c'est le relooking vraiment hyper rapide. C'est quoi ce maillot? Non, mais il abuse, lui, il vient faire sa victime, et derrière, il met à l'envers, je déteste ces gens. Mais sur le papier, il a le droit. Sur le papier, il a le droit, il ne fait de mal à personne, et c'est vrai, c'est un fait. Mais j'aime pas, j'aime pas. C'est quoi ce maillot de bain, là? M'en fous. De toute façon, ils se mettent jamais en maillot de bain. Le vocabulaire... Ah, j'ai pas été grossière. J'ai pas été grossière. Je suis trop à l'aise. Tenue de temps chaud. Mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression que depuis qu'il est venu me... Enfin, parler, il se permet de faire des choses, vous voyez. Il se permet de faire des choses en mode, je m'en fous, du coup. Elle fait du bruit, bah moi aussi, j'en fais. Je sais pas si vous entendez, ça vibre, là. Là, ça vibre au-dessus de ma tête, ça vibre. Merci, Joy, pour le follow, bienvenue. Ouais, ce serait cool pour toi que tu puisses déménager, carrément. Je vous jure. Vous entendez pas? Est-ce que vous entendez, là? Voilà, il s'est arrêté. Non, là, il n'y a plus de bruit. Donc là, vous risquez pas d'entendre. Mais ouais, donc, ouais, c'est juste... j'ai l'impression que, ouais, il se permet, en fait, maintenant, de faire plus de bruit, de s'en fiche, de s'en foutre, en fait, littéralement. Parce qu'il est venu me voir et parce que, du coup, je suis allée le voir pour mettre les choses au clair, en mode, écoute, j'ai trouvé des solutions et tout. J'ai pas encore acheté mes mousses, d'ailleurs. Mais honnêtement, là, pour l'instant, je vais pas les acheter parce que si... bah, je déménage d'ici la fin de l'année, mais c'est hors de question que je mette 300 balles, hein. C'est hors de question. En plus, j'ai aménagé mes streams à 18, le dimanche. Maintenant, je commence à 18h, je commence plus à 20h. Il n'y a que le vendredi. C'est bon, tu vois, frérot, c'est bon. Ouais, vous avez la musique du jeu, donc vous entendez pas. Bon, bah, c'est nickel. Le principal, c'est que vous ne soyez pas gênés. Parce que moi, que je sois gênée, j'ai au pire un casque anti-bruit, je le colle bien dans mon oreille. Et c'est bon, tu vois. Mais bon, je vais arrêter de râler, non? Qu'est-ce qu'elle a, cette isourine, là? Elle fait que râler, oh là là. Elle fait que ralouille, celle-là. Elle va se calmer, non? Attends. Je cherche mon pantalon. Mais au moins, ça me fait faire un relooking très rapide. Je lui ai remis en hommage à Godefroy, du coup, la coupe de cheveux. Voilà. Je trouve que c'est bien. Un petit hommage à Godefroy. Non, mais ça va, si on a le droit de râler. Oui, mais vous n'êtes pas là pour ça, et moi non plus, en soi. Tana! Merci beaucoup pour le 5e mois. Merci, merci à toi, c'est trop gentil. Mais il avait quoi? Il avait les joues toutes rouges, vous avez vu ou pas? Je vais lui remettre, attends. Mets-toi les joues rouges, t'as raison. C'est où? C'est dans le maquillage, je crois. C'était... là. Hop là. J'ai rien entendu, de toute façon, si ça te gêne toi, c'est pas cool, même si nous, on n'entend pas. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, c'est la life. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Bon, il est Mims. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est Mims. Il a pas de cessé, je vais lui mettre des petits cils. Et puis, voilà, un autre adolescent, je sais plus comment il s'appelle. Le gars, il a chopé un gros rhume ou un gros coup de soleil, tu vois. Moi, je suis en week-end vers la Saint-Martin dans la Vésubie. Et je suis passée par une route en... C'est vrai? Je connais pas du tout cet endroit-là. Mais c'est vrai que ça peut faire relativiser des fois de voir... un petit peu ce qui se passe ailleurs. Coucou, tu fais quoi? On est en train de faire le challenge à travers les âges avec le mode Moyen-Âge. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs sur Twitch, les gars. Quand vous êtes sur TikTok, vous avez le lien qui est dans la bio. Mais j'ai encore un relooking là. Ah non, mais il y a Gontran. Bah vas-y, c'est bon, Gontran, on verra plus tard. Hein. Ça va. Gontran, il va rester un petit peu en jean là, 2 secondes. Hein, on va respirer par le nez. On va couper en deux les relookings, les machins, les trucs. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Alors... Godefroy, s'il te plaît, par pitié, je t'en supplie. Mazette, ce n'est plus possible.
Godefroy est devenu un vieillard, mais il doit quand même continuer à augmenter sa compétence herboristerie, vous n'êtes pas d'accord? Donc, relis ça, du coup tu enlèves à chaque fois que tu changes la partie... Ouais, je mets le mode que quand je suis vraiment sur le challenge à travers les âges. Alors, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est... il est 22h, ah ben on va rien faire du tout, mes potes, on va aller se coucher. Enfin, les autres, ils vont aller se coucher parce qu'il y en a marre. Ah, il faut que j'aille me mettre dans le mode achat construction et que je lui mette du coup un lit à ce petit monsieur, là. Parfait. Hop, il va avoir le lit comme tout le monde. D'accord, je l'ai trop tourné. C'est pas comme s'il y avait une prédit, hein. Mais ouais, en plus j'ai dit à 20h la fin de la prédiction, hein. Pour justement qu'il y ait quand même un enjeu. Que ce soit pas trop facile que je me dise, bon bah je vais continuer jusqu'à 22h et puis, waouh. Tu as 10 minutes? 10 minutes? Non. J'ai 1h10 plutôt. Tu vas aller dormir, du coup c'est ton lit, je vais te l'attribuer, mon petit Gontran de la mort qui tue. Va te coucher, Gontran de la mort qui tue, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Gustave, il dormait où à la base? Là, allez, au lit les loulous, elle grandit demain, donc demain on va pouvoir la marier à monsieur, donc ça je trouve ça plutôt cool, tu vois, je vais faire ça parce que je ne m'entends plus en fait, donc ça c'est bon, lui il va aller du coup, c'est où son lit, il va aller dormir là, Hermessande, j'aimerais bien qu'elle aille, ah mais d'ailleurs ses savons, elle en a fait quoi? Mais attendez, elle m'a mis ses savons n'importe où. En fait, je me suis même pas occupée de ça. Ils sont pas dans ton inventaire. Ah bah si, quand même. Voilà, 126 simpous, c'est parfait. Merci beaucoup, Bémélis, pour ton follow. Bienvenue. Il coûte combien? Il est gratuit, le mode. Il est pas payant. Ah, c'est ça qui est beau. Je vais l'emmener ici, elle. Et je vais lui faire fabriquer une sculpture en jouet ou un truc pour nous faire gagner de l'argent. Voilà, tout simplement. Elle ira ensuite... pas mettre du tout dans l'inventaire. Non, pas du tout. Pourquoi t'es mal à l'aise? Tu vas donner à manger à Koshi, s'il te plaît. Et elle peut plus fabriquer sa sculpture. Je pleure. Salut, Lynn, je passe ma vie à louper tes lives en ce moment. Bah, peut-être, ouais. Comment tu vas? Mais c'est pas grave, après, hein. J'espère que tu vas bien, en tout cas. C'est bon, Godefroy? Est-ce qu'on peut atteindre le niveau 8, au moins, ou c'est comment? Eh, le mec, il abuse du bail de ouf, là. Le mec, il est réellement en train d'abuser du bail. C'est qui, ce fantôme? Salut Lisounette. Coucou Nini. Salut Kenza, bienvenue à toi dans le chat. Oh non. Aidez-moi. Il n'y avait pas les pompiers à cette époque. Éteins-la. Éteins-la, je t'en supplie. Éteins ta mère. Ta femme, ta mère, quelqu'un. Allô, mais c'est... Mais elle est en train de crever. Merci Gameuse pour le follow. Mais putain! Éteins! Elle va dead. Non. Non. Éteignez! C'est pas possible. Elle a failli canner. Merci Kenza pour ton follow. Bienvenue. Merci beaucoup Kenza pour le compliment d'ailleurs. Bah là, j'ai dû annuler mon voyage Japan Expo. Ça me touche, mais je reste debout. Pourquoi tu l'as annulé? Tissou pour éteindre un Sims utilise la baignoire. Mon jeu a crash. Mon jeu a crash. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais non. Le jeu il a pas supporté. Alors, comment vous dire le jeu, il a pas aimé, là. Le jeu, il a détesté. Bon, on va relancer. Bah, j'avais save. Oui, j'avais save. Oui, j'avais sauvegardé. Mais si, j'ai sauvegardé. Eh, j'ai tourné ma souris, le jeu, il a fait... Bam. Normalement, j'ai save. T'es sûr, arrêtez. J'ai save normalement. J'ai pas save le feu, ça c'est pas possible. Crise d'angoisse la veille, je supporte pas Paris. Ah mince, je suis désolée pour toi en vrai. Tu as save juste après le relooking. Il me semble que oui, hein. Le jeu a dit non, pas le feu. Eh, ça m'arrange.
Vraiment sûr. Mais tu me fais douter de ma propre personnalité, là, Emira. Emira, je ne sais plus comment je m'appelle. Elle... Suspense. Salut Mélanie, bienvenue à toi dans le chat. J'ai faim. Je vais manger des carottes, je crois. Vous êtes pas sûr? Des prénoms de Disney, Aladdin. Ton nom est Jacqueline. Je m'appelle Jacqueline. Ouais, vas-y, laisse tomber, elle voit rien. Alors, mon ref sur TikTok, je le répète 45 fois aussi, mais peut-être que tu viens d'arriver, c'est pour ça que tu ne sais pas. Je suis en live sur Twitch, tu vois. Et en fait, le chat de TikTok, je ne le vois pas tout le temps. Donc, c'est pas la peine de mettre des « Ouais, vas-y » et tout. Genre, frérot, franchement, tranquille, parle tranquille. Quand je tourne les yeux, j'essaye, je vous réponds. Mais du coup, si t'es dégoûté que je réponde pas, bah, pars. Franchement, va sur d'autres lives, fais ta life. Ou sinon, viens sur Twitch. Mais si tu parles comme ça sur Twitch, ça va pas très bien se passer quand même. Ah! J'ai vu Zouk Machine, il a pop. Zouk Machine, il a pop sur TikTok. Du coup, il a fait un whoop là. Je dois être aveugle, c'est pour ça. Non, c'est bon, j'avais sauvegardé après le relooking. Regardez, il y avait juste le petit. Tu vois? Il y avait juste le petit. C'était nickel. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chat? J'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chat? Non mais enfin. TikTok, désolé, mais on souffle dans vos commentaires, dans le négatif, zéro constructif, ça pourrit l'ambiance. Après, c'est parce que je le lis à voix haute et qu'en vrai, on s'en fout. J'ai pas vu. Merci pour les j'aime, pour les gens sympas sur TikTok, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mais c'est pas grave, enfin, moi je... Alors, nous avions donc bien sauvegardé, c'est nickel. J'avais juste pas sauvegardé quand je lui ai demandé d'aller lire son livre. Donc, en vrai, c'est pas très grave. Ça va, on est bien. Relire. Vas-y. Ok, on recommence le niveau 8, ça va. En fait, je lui avais demandé d'aller faire du savon. Mais du coup, c'est ça qui a provoqué le feu. Donc, vu que j'ai vu dans l'avenir, eh bien, je ne le ferai pas. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle aille du coup faire sa sculpture ici. Bloc de couteau, etc. Je parle de ceux qui parlent comme ça, obviously. Hashtag safe place, bien sûr. On se sait, il n'y a pas de souci. Quoi? Ah, il n'y a pas la place du coup? Ah mince. Bon, alors c'est pas grave. Tu sais quoi? Tu vas aller remplir la gamelle du toutou. Nickel. Tu vas aller faire ça. Tu vas aller récolter le miel juste là. Et c'est bon. Et je sais pas pourquoi j'ai eu un fantôme tout à l'heure qui est apparu. Mais écoutez, why not quoi? Pourquoi pas? Alors, lui, il est en train de faire sa compétence herboristerie. Je voulais à la base... Ah, je crois que j'avais pas sauvegardé. Ouais. C'est dans le mode achat construction. Il faut que je lui remette le lit du coup. Vampire dans la maison. Il y a un vampire? J'ai pas vu. Je le vois pas là. Hop, c'était ça. J'avais pas sauvegardé après ça. Heureusement qu'il s'est pas passé grand chose, hein. Mais du coup, ça me retarde dans ma compétence herboristerie, là. C'est peut-être le trait de terrain maudit. Ah, très probablement. Même très... C'est sûrement ça. Attribuer un lit, du coup, à Gontran. T'as vu son passage ultra rapide? Ouais, peut-être. C'est possible, hein, qu'il y ait des vampires qui passent et tout, machin. C'est très probable, ouais. Allez, toi, tu vas aller te coucher. Non, vous savez quoi? Vous allez pas aller vous coucher, en fait. Non. Vous allez pas aller dormir. Vous allez aller me cueillir des choses. Parce que la moulaga, comme d'habitude, cueillir des fleurs. J'adore leur faire ça. Franchement, tu vas aller, du coup, cueillir des fleurs, là, tous. Allez, ça part. Parfait. Au moins, j'ai plus de bambins et de trucs, tu vois, de nourrissons. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es énervée comme ça? Qu'est-ce qu'elle a? Quand serai-je grand-mère? Où sont-ils? Je mérite mes petits-enfants. Pourquoi mon enfant me déteste comme ça? Elle veut être grand-mère. Mais elle me ferait presque de la peine. Janine fait évoluer les plantes en attendant Jeannette. Elle veut... Elle est trop mimi. Elle veut être grand-mère. Mais ça, c'est trop mimi. Ok, bah après, je suis désolée pour toi, mais là, pour l'instant, tes enfants, il n'y a pas de grand-mère, doucement en plus. Tu vas tout vendre, s'il te plaît. Et on voit rien dehors, c'est nimpe. On voit vraiment rien. Il y a quoi ici? Déraciner la plante? Non, c'est bon. Et merci Andrea pour ton follow, bienvenue. Sous le sol, c'est pour dire bonjour en simlish en gros. Ok, tu révises encore toi? Allez, niveau 8, on est au maximum.
C'est bon. Lui, il est vraiment parti se coucher, en fait. On s'occupe d'abord de notre fille et après, on s'occupera de lui. Et on va pouvoir gagner 2000 simflouz. Et ça, c'est toujours bon pour la thune. Ça, tu vends aussi. Franchement, c'est pas beaucoup, hein. Là, par contre, je suis assez déçue. Elle est méga vénère. Mais pourquoi t'es très en colère comme ça? Elle est vraiment pas contente. Ça, on vend aussi. 122 simflouz, c'est toujours ça de prix. Et écoutez, vu qu'elle est contente, je vais pas contente, pardon, je vais la faire s'asseoir là pour qu'elle essaye de se détendre et coudre un petit peu. Tricoter. Tricoter. Allez. Regardez là comme elle est mignonne, comment et tout. Elle est en train de tricoter, elle est trop mimes. Coucou sur TikTok, j'espère que ça va. Mamie vénère, c'est du russe fragmenté, le langage des Sims. Non, c'est du yaourt, apparemment. C'est du pur yaourt avec plein de mots mélangés dans tous les sens. Alicia, merci pour le follow, bienvenue. Elle veut des petits-enfants. Elle veut des petits-enfants, mamie, là. Mamie, elle est pas contente. Ça, je vends juste pour que mon inventaire soit plus clean. T'as atteint le niveau... Il se fout de ma gueule. Il a pas atteint le niveau 8. Je vous jure que non. Je te jure que non. Tu le fais ou tu le fais pas? Mais regarde où il s'arrête, là! D'accord, elle n'a pas continué. Pourquoi? Pourquoi tu continues pas? Enfin... Écoutez, je ne comprends pas. Voilà, elle ne veut pas. Alors, nous, on va vendre tout ce qu'il y a ici. Voilà. 200 simflouz en plus, hein. Il y avait un petit jouet là-dedans. Là aussi, on va vendre. Oh, mais attends! Il y a du pigeon, on a du canard et on a de l'écureuil. Bah, ça, on va garder parce qu'on va le mettre dans notre garde-manger. Ma fille aussi, elle a découvert pas mal de petites fleurs toutes nouvelles. Ça, bah, du coup, on va pas au lycée, on n'a pas le droit. Donc, on va vendre. Non, c'est bien, hein. Oh, mais regardez tout ce qu'ils ont! Franchement, je vous jure que là, ça, c'est le meilleur glitch pour gagner de l'argent quand on est paysan, hein, vraiment. 576 simflouz. Allez là. On va du coup sauvegarder. Et je vais aller leur demander de se coucher. Non, c'est bien, on gagne beaucoup d'argent, je suis contente en vrai. Alors, au lit. Vous pouvez pas le faire automatiquement, ça. Franchement, ça m'aiderait beaucoup. Honnêtement, j'aimerais bien qu'ils aillent se coucher tout seuls, tu vois. Allez au lit. Dodo, tout le monde. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que vous pensez que... Il faut que mes enfants se marient pour quitter la maison ou ils peuvent quitter la maison comme ça? Est-ce que je peux les faire partir si j'ai envie, random? Honnêtement. Au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se faisait? Est-ce que les enfants quittaient le foyer parce qu'ils se mariaient ou juste pour prendre leur indépendance? Je pense pas qu'il y avait trop cette notion d'indépendance à l'époque, hein. Ils doivent se marier obligatoirement, hein. Donc je dois tous les marier là. Eh ben on va gagner des dots. Voilà. La dot, c'est pour les hommes et pour les femmes ou c'est que pour les femmes? Dites-moi, ils doivent se marier, oui? Purée. Donc ma fille, elle va quitter le foyer demain, quoi. C'est trop triste. Mais continue à lire. C'est trop grave. Mec, que pour les femmes. Donc c'est nous qui payons une dot pour avoir la main. Oui, bah oui, c'est vrai. Je vous dis des bêtises parce que je l'ai fait pour Godefroy. Donc je vous dis que des bêtises, moi. Va dormir. Pourquoi t'y vas pas? Coucher. Coucher saleté. Que pour les femmes, je dirais. Ouais, mais je vous dis, je vous ai posé une question bête parce que je l'ai fait pour Godefroy. Allez, litier presque. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Lui, il est rentré. Il est parti cueillir des trucs. Ok, 67 simflouz, c'est bien. Nickel. Est-ce que mon cochon va bien? Je vais pas mettre ça dans l'inventaire, je vous dis des bêtises. J'espère voir la tenue de mariage. Bien sûr que vous allez la voir, la tenue de mariage, vous inquiétez pas. Allez, va donner à manger à ton chien. Ton cochon, cochon, cochon. Pardon. 5h du matin, vu qu'il est en forme, je vais aller voir pour ramasser les œufs. Toujours pas? Merde. C'est de la nourriture à proximité, donc go, hein, on va faire ça. Tu vas nouer vite fait des liens avec les abeilles, quand même. Et on va appliquer un traitement anti-mite. On s'est pas occupé de nos asticots et tout. Prendre soin des insectes. Ouais, tu vas aller prendre soin des insectes, et c'est bien. Il manque même pas 11 000 pour le statut social suivant, c'est ça? Bah, normalement, c'est 66 000 simflouz. Dites, corrigez-moi si je me trompe, ceux qui m'ont aidé à faire... Enfin, ceux qui m'ont créé, plutôt. Le challenge, il a toujours pas atteint le niveau 8. Vous êtes d'accord? Genre, regardez, il s'arrête toutes les 2 secondes. Quand je marie ma fille, c'est moi qui reçois la dot. Mais quand je marie mes fils, c'est moi qui paye la dot. On a enfin atteint le niveau 8 de la compétence herboristerie, les gars. Enfin. Amen. Et on est en hiver. Il va donc neiger. Beaucoup trop bien. Allez, allez, hein, tu continues. Je vais le lui faire faire plusieurs fois, hein. Il n'arrête pas en fait de s'interrompre. Je sais pas pourquoi. Il me reste 2 niveaux pour être au niveau 10. Est-ce que je vais y arriver? Il me reste 58 minutes. Je pense que je peux y arriver en vrai.
Du coup, ma fille, elle s'est réveillée. Gretel a faim. On va devoir s'occuper de ça. Et d'ailleurs, c'est son anniversaire. Vous êtes bien d'accord là, ça y est. C'est l'anniversaire que d'elle. Non, c'était des jumeaux. Attends. Anniversaire. C'est l'anniversaire du coup de Gretel et Geralt. Geralt qui est complètement célibataire. Hein. J'avais noté au-delà de 60 000. Bon bah, il faut qu'on ait 60 000 Simfos. Bah, franchement, ouais alors. Moi, j'avais compté 65 ou 66, je sais plus. Je crois que c'était Eljam qui m'avait dit ça. Je vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. On peut avoir des œufs là? Dès le matin à 6 h. Tu crois qu'il est quelle heure là? Il est 7 h 04. Comment ça? Comment ça, mon reuf? On va demander à nos enfants. Donc lui, il va travailler dur. T'as le taf là? Bah ouais, tu vas aller travailler, hein, je te le dis, moi. Lui, il va aller remplir la mangeoire, nettoyer l'abri et appeler Cunégonde. Tu vas disperser encore de la nourriture à proximité. C'est le contraire, il me semble. Tu maries ta fille, tu payes pour qu'on te la prenne, en gros. Tu maries ton fils, tu la reçois. Pour moi, c'est l'inverse. Ça marche, Antonin. Bonne soirée. Pour moi, je paye une dot. Quand je me suis mariée avec Hermessandre, j'ai payé 500 simflouzes. C'était ça dans les règles qu'on m'avait données. Tu vois? Donc après, je sais pas. Peut-être qu'on fonctionne à l'envers dans notre tête. Pour moi, c'est l'inverse. Vas-y, prends une salade de fruits. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de tout désherber, elle. Elle est toujours tendue. Elle s'est pas occupée. Mais lui non plus, en fait. Mais personne s'occupe! Va nettoyer l'abri. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, tu peux pas rentrer! Eh ben, on va te. Ben, d'accord, ok. Attends. On va autoriser l'accès à. Non. Bloqué pour un Sims spécifique. Débloqué. Bah, ben, pour toi! Aussi, non? Bon, tu sais quoi? Mec, je m'en fous. Je vais téléporter. Tu vas nettoyer l'abri, remplir la mangeoire du coup. Ah, on peut enfin ramasser les œufs, disperser de la nourriture à proximité. Mon Dieu! Et on va prendre soin des insectes. Parfait. Autrefois, la dot d'une femme était une affaire de famille. Elle était payée par son époux et sa famille. Le prix de la mariée n'était pas négocié. Donc t'achètes la mariée, c'est ça. Donc du coup, tu payes 500 ou 2000 simflouz pour acheter la mariée. Voilà, donc c'est ça. Ok. Prise la main dans le sac. Hey, ta main et ton sac, toi. Je peux plus avec ta main et ton sac. Toi, t'es très tendu. Pourquoi? Tout désherber, désherbe tout. Tu vas te faire une petite session avec Lucie Trouille. Fais voir. Du coup, là, on a les œufs et on a ça. Il faut qu'il coupe la viande et on va mettre les œufs dans le frigo et faire notre fameux gâteau d'anniversaire pour nos jumeaux. Que, bien évidemment, nous allons relooker. Ou du moins. Mettre une robe de mariée à notre très chère Gretel. La dot est la somme que la famille du marié paye à sa future belle-famille avant que l'union ne soit célébrée par les deux familles. Bah voilà, c'est ça. Merci Margoto pour le follow d'ailleurs. Paiement en 3 fois. Tu devrais lui couper les mains comme ça, elle ne sera plus prise la main dans le sac. Merci Swan pour le follow, bienvenue. J'aime bien quand même. Je pensais le contraire. Non, pour moi, c'est pas le contraire. Bonne soirée à ceux qui s'en vont, des bisous. Non, ça me semblait pas logique. Après, c'est bien, on en discute, on apprend des choses. Comment ça? Pourquoi elle peut pas faire le gâteau? Pourquoi elle peut pas faire le gâteau? Pourquoi je peux pas cliquer sur faire le gâteau là? Qu'est-ce qui se passe? Non! Lisette, elle est en train de mourir! Salut Canalis! Et bonjour, bien sûr! Non! Ma Lisette! Par contre, il y a une fusion de poulets là. Elle est bizarre cette interaction. Fusion de poulets, il y en a une qui lui meurt dessus, il n'y a pas de souci. On a toujours eu le droit à une exécution type bûcher, décapitation, je suis sad. Non, mais il faut que je sois roi pour ça, je pense. Après, en Occident, c'est comme ça la dot, mais dans d'autres pays, c'est l'inverse pour les dots. D'accord, ok. Ah, donc c'est pas totalement faux en fait. Salut Hilo. Je vais dire à mes beaux-parents qu'ils doivent m'acheter s'ils veulent le mariage, la négo va commencer. Allez, moi aussi je vais dire ça à mes beaux-parents. Achète. Comment ça? On peut pas faire de gâteau du coup? Je suis en quoi là? Je suis en vie simple, mais je ne suis pas en hors réseau. Donc normalement je devrais pas avoir de soucis parce que j'ai toujours été en vie simple de base.
Et là, j'ai tous les ingrédients pour la faire. Donne la moula. C'est ça, à boule le fric, là. Défi de terrain roux. Ouais, mais c'est pas gênant. Attends. Je vais demander à Hermessandre de... Tu vois, d'aller cuisiner un truc, là. Qu'est-ce que tu peux me faire? On peut faire une salade de fruits. Tu vas me faire croire que je peux pas... Regardez. N'importe quelle fraise. Là, tu vois, j'ai tout. Pourquoi je peux pas faire mon gâteau? C'est hyper, hyper, hyper bizarre. Pourquoi je peux pas faire mon gâteau? Bon, écoutez, vous savez quoi? On s'en tape des gâteaux. On va les faire grandir comme ça. Joyeux anniversaire, hein, surtout. Et on s'en bat les steaks. Allez, deviens jeune adulte, viens. Relance le jeu peut-être. Non, je pense pas que ce soit ça le problème. J'espère. Allez, grandis, madame. Gretel a vieilli 1, 2, 3. Elle sera frigane. Alors, je pense pas qu'il y avait cette notion de frigane attitude avant. Voilà, extravertie si tu veux. Et je vais pas demander à Siri, je vais choisir au pif, vu qu'elle s'en va. Non. Ça serait très drôle. Il y a longtemps, une famille royale a subi une perte dévastatrice lorsqu'un de ses enfants a disparu. Ce serait drôle, mais ça serait pas cohérent. Allez. Tu es l'ami des bêtes. Allez, ça me va. À abandonner le lycée. Ah, fort, fort, fort. Hein. On a bien abandonné le lycée, je te préviens. Je te jure. Et lui, du coup, aussi, on va le faire grandir et vieillir. Oh, ben, il s'occupe de notre vache Cunégonde. Qu'elle est belle. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. N'hésitez pas, je le répète. Avant de me faire embrouiller la goule, à nous rejoindre sur Twitch, vous avez le lien en bio, je vous lis là-bas et ça me ferait très plaisir de vous recevoir là-bas. Jeune adulte, vas-y go. Allez, vieillis, mon petit pote. 1, 2, 3. Mais c'est vrai qu'il est kleptomane. Disciple du recyclage. Ouais. Non, mais ça va, oui. Ah, paix intérieure. Bah go. Le foyer va s'alléger. Ouais. Alors, ce que je vais faire. Je vais envoyer Gretel voir Ambroise. Ou alors je vais l'inviter à venir. Cunégonde à quel âge? Je sais pas. Salut l'anonyme là, comment tu vas? Gretel a abandonné le lycée. Oui, bah ça va, ça va, ça va. Il n'y a pas de lycée qui tienne. Il arrive ou pas? Il est là. Ok. Je le demande moi en mariage ou pas? J'aimerais que ce soit lui qui me demande en mariage, les gars. Demander de l'argent, non. Mais du coup, attends, il est toujours ado, donc il faut que je le fasse vieillir aussi. Bah oui, sinon c'est pas logique. Commande du Sims, anniversaire, tu vas devenir jeune adulte toi aussi, s'il te plaît. Allez, grandis, vieillis devant moi. Merci. Parfait, je sais pas du tout quel tri il va avoir. Je ne sais pas du tout. Maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Ah non, ça va, c'est le commerçant. Il y a le commerçant qui est venu nous voir, Jean Goutte. Melby, merci beaucoup pour ton sub et bienvenue à toi parmi les perruches. Ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Toi, là. Parlons peu, parlons bien. Essayez d'avoir un bébé, non. Faire une sortie ensemble, non. Intimité physique, non. Embrasser, oui. Qui a fait ça? Qui m'a pété les rouleaux, là? Ramasse. Vous êtes des fous, là. Attends, attends. Tu sais quoi? On va faire un groupe. J'avais pas fait un groupe déjà? Non. Rejoindre un groupe. Créer un groupe. Mariage de la moula. On va l'appeler comme ça hein, parce que je trouve ça cool, tu vois. Paf. Ouvert à tous. Non. On va être juste Ambroise dedans. Et en vrai, interaction sociale, on va mettre des bisous. On va mettre le crac-crac parce que c'est important. La romance, bien sûr. J'aimerais bien mettre d'autres trucs, genre loisirs. On n'a pas un truc genre jardiner ensemble ou quoi? Normalement si. Creuser, entretenir le jardin, grave. Vert à tous, non, c'est sur invitation. Et notre lieu préféré? Ouah, non, il n'y a pas de lieu préféré. Ça existait, les groupes? Ouais, j'ai décidé que ça existait. Bon, viens, on a... Pourquoi ça hurle? Pourquoi il hurle? J'ai envie qu'on se déplace un peu, qu'on change un peu. Oh, venez, on va s'asseoir là. Allez, on va s'asseoir et discuter ensemble ici. Regardez comme c'est mimi. On va se poser là et il va me demander en mariage.
Pourquoi tout le monde est effrayé là comme ça? Allez, viens, 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 viens. Parfait. Il veut devenir mon meilleur ami. Alors oui, on va dire que c'est une étape, hein. Mais je veux pas que tu deviennes mon meilleur ami en fait. Je veux qu'on devienne plus que ça. Je veux qu'on sème de l'amour qui tue. Demander en mariage. Écoute, je vais lui demander. Je vais lui demander. C'est bon, au bout d'un moment, ça va. On va dire que c'est lui, ok? Imaginez, il refuse. Il a dit oui! Et on est fidèles! Et elle a un coup de foudre. Incroyable! C'est tellement romantique. Je reçois... Attends, attends, attends. Non, tu n'as pas raté la robe de mariée, ne t'inquiète pas. Du coup, je vais me rajouter. Je me rajoute 2000 simflouz, là. Et ouais! Voilà! C'est sa dot. Bon, papa, là. Viens, viens, viens. On va faire genre... Se téléporter ici. Qu'est-ce que... Je me téléporte ici, je... Pour... Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, 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 attends. Tu as demandé la main de ma fille. Réprimander. Je vais le réprimander quand même. Attends, viens, 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 on va te réprimander. Genre, comment ça? Tu montres ça devant tout le monde. Merci, chat chouchou, pour ton follow, bienvenue. Ouais, ouais, je te réprimande, ouais. C'est comme ça, maintenant. Est-ce que on... Sa fille, elle embrouille son père. Non, on fait pas ça par contre. Je vais organiser un événement de mariage sur le champ. Du coup, est-ce que je peux le faire? Je ne pense pas. Si? Cérémonie de mariage, ouais. Les deux mariés, nickel. Témoins, ah non, attends. Il faut que j'aie mes témoins et mes machins et mes trucs. Plus que 8K. Ouais, mais plus que pas longtemps pour avoir le niveau 10 quand même, hein. Bon papa, tu l'as trouvé où ton mode Sissou? Tu as... Alors l'épingle, elle s'est enlevée du chat, c'est dommage. Mais tu as, en gros, sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti la vidéo qui explique tout le tutoriel pour avoir le mode royalty. Donc si jamais tu veux aller voir la vidéo, bah n'hésite pas, tu as le lien, sa fille te l'a mis. Et merci de l'avoir réépinglé parce que ça s'est enlevé automatiquement, je pense. Demander d'être le maître de cérémonie de mariage. Ouais. Tu vas être le maître de cérémonie de mon mariage. Il a accepté. Ok, cool. Ça, c'est super cool. J'ai demandé à ma mère aussi... d'être genre ma témoin ou je sais pas trop, tu vois. Plus de choix. Alors, je me marie, maman. Bon, je sais que tu t'en fous, mais c'est quand même important, non? Maman, viens là. Attends, je te demande. Amical. Activité. Demander d'être le témoin du mariage. Et ça me suffira. Pour les autres, ils seront juste invités et on va pas demander à tout le monde, sinon on va y mettre 10 ans. L'adoption représente pour Gretel un voyage difficile, celui de toute une vie. Adopter un enfant maintenant l'empêcherait de se concentrer sur sa carrière et sa réussite professionnelle. Il vaudrait mieux parler de ça une autre fois. Attends, Godefroy lui a demandé d'adopter un enfant. Mais Godefroy, t'es fini. T'as été bercé trop près du mur, là. Il n'aura pas giflé grand monde dans l'histoire. Il a giflé une personne à qui il a dit bonjour. Il va pas gifler ses enfants pour leur dire bonjour, il habite avec eux. Va demander à ta mère. Bonne soirée, Drazan. Y'a pas de soucis. Et merci Okaruto pour le follow. Bienvenue. Bon, écoutez, on va faire cet événement de mariage. En même temps, on joue avec tout le monde, c'est dur, hein. On va faire le mariage là. Merci Aude 8 pour le follow, bienvenue. Comment ça, t'es moins 0? Ah bah oui, du coup, on n'a pas demandé. Maître de cérémonie, j'en ai un. Ça n'a rien compté, ça n'a rien compté. On n'a rien. Écoutez. Voilà. Vous voyez, ça sera bon, je pense. Quand je clique sur le lien, ils te disent que la vidéo est indisponible. La vidéo est indisponible. En terre, et on peut voir qui l'a. Non. Le lien fonctionne correctement, je suis désolée, tu dois bugger. Merci Lola pour le follow, bienvenue. Et bonsoir Okaruto. Il a bien giflé son fils. Oui, et Lucie Trouille. Le lieu, on se marie où? On va échanger les vœux juste. Ça, c'est... On va modifier la tenue, du coup. On va modifier la tenue. Je sais pas, du coup, quelle couleur on lui met? Vous m'aviez dit du rouge, mais c'était pour la noblesse. Dans les champs, je suis d'accord. Faut qu'on trouve un parc. On va faire ça. Et qu'est-ce qu'on met? Merci May pour le follow, bienvenue, c'est gentil de ouf. Sur la place du village... Je vais voir, c'est pas une mauvaise idée ça. Salut Roroal. Qu'est-ce que c'est que la récompense? Deviens VIP? Bah tu deviens VIP du...
de la chaîne Twitch définitivement et tu as un beau badge. Du bleu ou du vert? D'accord. Mais il ne faut pas une robe non plus trop haut. Tu vois, genre ça, c'est dommage. Ouais, je vais bien, merci. Attendez. Ça? Ça? C'est pas mal. Je peux pas l'habiller genre grave bien. Je rappelle que on n'est pas encore noble. Coucou Marie, bienvenue à toi dans le chat. Oh, il y aurait ça. Ça. Et ouais. C'est pour ça que je peux pas faire un truc de queen là. Il y avait des robes de mariée OMA, juste, enfin Moyen-Âge, juste une belle pièce qu'elle possède. Il n'y avait pas de robe de mariée, juste une belle pièce. Oui, une belle robe que tu pouvais mettre. Oui, non, pas de violet, c'est vrai. Non, chez Shadow, c'est pas ça. T'as des avantages autres, mais pas du tout comme ça. Ok, donc on va pas partir sur du violet. Donc il y aurait elle, par exemple. Voilà, il y aurait ça. Il y a la verte de tout à l'heure. Après il y a ça, mais c'est beaucoup trop. Ils n'ont pas les moyens de se payer une robe comme ça. Après j'ai ça, mais... Quoi, sa mère lui a cousu ça? Il y a ça sinon. Oh, ça c'est pas mal. On dirait... En plus on dirait que c'est des pièces qui ont été... Non? Ça c'est bien ça. Ça fait noble. On n'est pas noble quand même. Qu'est-ce que je lui... Est-ce que je lui mettrais pas un bandeau vert comme ça? Elle est pas courte la robe, elle est longue. Souvent composée d'une chemise, robe et sur-robe. Ah, j'aurais pas ça en contenu personnalisé malheureusement. Mais ça c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça peut bien faire la blague. Non? Elle aime le vert. Bah ouais, on m'a dit que le vert et le bleu, c'était cool. Est-ce que j'ai du bleu, sinon? Non. J'ai du violet et tout, mais... Le bleu, ça fait beaucoup plus noble. Je trouve que le vert, c'est bien. C'est juste pour la culture. Ah, merci pour ta culture, alors. Parce que moi, je savais pas. Un chignon négligé? Mais ça lui rajoute une frange et elle a pas de frange. Là aussi, frange alors que pas de frange. Celui-là? Ouais, cette robe fonctionne bien, je trouve aussi. Après, on a ça. J'ai pas de couronne de fleurs, je crois. Ça c'est pas... Non. Non plus. C'est beau cette coupe. Elle est trop belle, mais c'est pas du tout... C'est pas du tout adapté là. Hein? Une tresse? Oh, la tresse peut être très 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 sympa. Par contre, le bandeau ne va plus. Mais la tresse est très sympa. Qu'en dites-vous? Une petite tresse. Ça, j'aime bien. Est-ce que je peux avoir un bandeau qui bug pas? Eh, je vais pas voir. C'est... Ouais, ça rentre en conflit. Je trouvais que sa première coupe était bien aussi. Ou une tresse. La coupe de base qu'elle avait, ouais. Moi, j'aime bien la tresse. Ça me... Je sais pas. Mais ouais, je vais pas pouvoir mettre... ça va pas être beau, en fait. Oh! Attends. 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 C'est beau, ça, aussi. Non? C'est pas exactement la même coupe, mais pour un mariage.
trop mimes. Avec la 13, c'était pas un peu chelou? 13, c'est mieux. Ouais, mais le nœud, il passait pas. Là, j'ai la coupe de Belle, en fait. Je vais revenir en arrière. Parce que là, je trouve que le nœud, c'était étrange, de ouf. Est-ce que de loin, ça fait bizarre? Ben ouais, ça fait bizarre. À part si je peux pas trouver une 13 droite, au final. Si j'ai une 13 droite. Attends. On n'a pas une 13 juste droite. Parce qu'à la limite, ça, ça peut passer. Je cherche, hein. Ça? Aïe, aïe, aïe. On adore se prendre la tête, nous, ici. Non. La tresse avec le pack vit à la campagne. Laquelle, 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 laquelle? Mais attends, je suis dans habillé en plus, on s'en fout. Vie à la campagne, tu me dis. Je sais pas, on va voir. Y a pas? Ah, celle-là! Ah, mais ouais! Bah ouais! Grave! Très très bonne idée! Par contre, c'est bleu. Mais ça me dérange pas. Ça fait genre, c'est dépareillé, c'est chelou, tu vois. C'est super ça. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. C'est bien, c'est bien. Et puis bon, après, le nœud, il est obligé d'être de cette couleur-là, donc c'est chiant. Mais c'est dépareillé. C'est comme ça. C'est pas grave. La coupe de Belle, c'est vrai qu'elle était un peu stricte, ouais. Je suis d'accord. Ça sera bien pour le mariage. Elle est bien comme ça. Je suis assez d'accord. Allez, organisons notre mariage. Marions-nous. YouTube. De quoi YouTube? Ok. J'ai modifié la tenue. On fait ça. Choisir l'heure de l'événement maintenant. Bah, écoute, lequel... Bah, est-ce que c'était le cas au Moyen-Âge? C'est parfait. Bon, si ça vous plaît, je suis contente. Comment s'appelle le bar? C'est quoi ça? Bar, la maquicrie. Je sais plus du tout. Il y a la résidence Castagnier. Il y a chez eux. Lieu de mariage. Oh, il y a un lieu de mariage. Mais non, c'est pas pour eux. Moi, j'aimerais aller au bar. J'aimerais aller au bar du centre-ville de Enfordon Bagley. C'est ça? Mais pas du tout. Le Lama qui crie, c'est à Windenburg. Là, je suis perdue un peu avec les noms. Ça non plus. Ça non plus. Là, c'est une boîte de nuit. Oh, oui. Oh, c'est tenté. Merci. Il n'y a pas d'église. Bah, il y en avait une, là. Mais des paysans, ils vont à l'église. Dire c'est Win, on n'est pas doué. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que tu as du tout? Oui, 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 j'ai une chaîne YouTube, bien sûr. Les crêpes où? C'est la base. Je fais que manger du sucre en ce moment, je me supporte plus. Je le vois pas. Vous le voyez, vous? Je vois pas le bar du gnome. Les crêpes où, les gars? On est d'accord ou pas? Tu vois, là, ça, hein. Classe moyenne. Je vais aller là. C'est bon. Allez. Mais justement, Sarah et prof de cartes qui sont profs d'histoire me disaient qu'il n'y avait pas vraiment de classe moyenne en fait. Tu vois? C'est soit t'es paysan, soit t'es noble. C'est quoi ce bug? Il y a un problème là, non? Vous voyez ce que je vois? On fait le challenge à travers les âges là. Purée, tu me donnes faim, je suis désolée. J'ai envie de me faire des pancakes, c'est trop bon les pancakes. C'est bon, ouais? Spider-Man, mais c'est quoi ce délire? Mes frères, mais eux! Pardon.
Il se passe toujours des trucs chelous quand on se marie, hein. Toujours, hein. Bon, tu te calmes. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es dans cet état? Arrête. Avec tes bugs chelous, là. Je vais vérifier juste si... Ouais, Wisebot s'est désactivé. Je vous réactive les commandes. C'est bon. Je vous le mets, du coup. Ah. Ouais. Bon, comment vous dire? Activité et cérémonie. Vous pouvez tous vous asseoir ou pas? Plus de choix. Veuillez vous asseoir. Ouais. Allez, on s'assoit. Tu sais, là, je sens que je vais vous mettre une musique de con. Et que ça va être n'importe quoi, ce mariage. Encore. Oh, c'est bon? Ah, si. On va se mettre. Je sautais. Merci beaucoup, Sifrioka, pour le 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Zouk Machine? J'ai le droit d'avoir un café? Je te demande alors que je pourrais très bien me lever. Hein? Mais. J'ai le droit. Merci. Je fais un mariage, c'est important. Mariage au café. Mariage au café. allez ici. Allez. Mais qu'est-ce qu'il fait, Godefroy, à être assis comme... Ah, c'est pas Godefroy, ça. C'est qui? Trucmuche, là. Va t'asseoir là. Assis là-bas. Mais... Oh, mazette. Ouh là 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 là. Allez, activité de cérémonie. Faire danser les invités. Se rassembler autour de l'allée centrale. Non. Je veux que... Il veut qu'on vive ensemble. Oui, j'adorerais. Oui, j'adorerais. Ah, maintenant? Ils ont 86 000 simflouz. Ils ont 86 000 simflouz. Donne! Il m'a déjà payé, il m'a déjà donné 2000 balles. Oui, oui, Aurore. C'est vrai que j'ai dit ça. Mais comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, non? Mais donne un peu! C'est quoi ce rat, là? Ok. Mon mariage? Mon mariage? J'ai actuellement envie de hurler. Non mais on voulait voir un mariage. Le mariage des paysans, des machins, des trucs, là. Ah. Mais on s'est pas mariés, ma sœur, mais qu'est-ce... Oh, putain. Hey, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas fait tout ça pour rien. Toi, là, habille-toi aussi un peu. J'ai pas fait ça pour rien. Vous allez vous marier, même si on n'est pas au même endroit, c'est pas grave. C'est exactement la même tenue. Je vais... Mais restez! Mais restez! Cobbler. Cobbler Charbe. Oh, the toy, Skiba. Je... Ne... Non. 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 Ok, non. C'est non. Ramène au moins mon daron et ma daronne. Je sais pas. C'est quoi ça? Voilà, venez. Comment ça tu... Waouh. Pourquoi je peux pas valider? C'est trop. Toujours la misère, j'en peux plus. Je vais canner. Je peux avoir mon père et ma mère? Ma mère. Je peux même pas valider! Vas-y, vas-y. Allez, allez. Se marier avec Ambroise. Vas-y, on se marie parce que... Ouais, ouais, ouais. On peut pas faire de réunion de groupe. Eh ben, je vais aller me faire foutre. Voilà. Mariez-vous. Soon.
Non mais attends, attends. À tout moment, va se passer un délire encore, hein. Jusqu'au bout, faut attendre. Jusqu'au bout. Bisous, câlin. Le pire mariage de la Terre encore, là. Ah! On échange nos voeux avec Ambroise. Les parents ont livré leur fille. Mais en vrai, c'est réaliste, ils ont livré la fille. Ils s'en foutent. D'où tu l'as eu cette thune pour acheter une bague pareille? Mais qui êtes-vous, vous, là? Ah, on n'est plus du tout au Moyen-Âge, là. Yes. Nickel. Je suis ravie. Tu m'aimes toujours? Je vais lui demander quand même. Faut que je lui demande. Est-ce que tu m'aimes? On vient de se marier, tu m'aimes? Ah, tu m'aimes. Vous vous asseyez, du coup. Ok. Ouais. Tu m'aimes ou pas? T'es amoureux, hein? Bien sûr que t'es amoureux. On vient de se marier. Il a payé 2000 balles pour m'avoir dans sa maison. Il me dit je sais pas trop. À vrai dire, ta question me déstabilise un peu. Un peu. Ciao. Allez, hein, hein, moi je retourne dans ma baraque, hein, de gueule là-haut, là. Ouh, ciao, ciao. On parlait de... Divorce au Moyen-Âge, si jamais l'homme était jugé infertile, il pouvait divorcer. Jamais on ne pensait que c'était du côté de la femme qu'il y avait un souci. Sérieux? Pour de vrai? Ah ouais, donc c'était le mec qui était accusé direct, quoi. D'accord. Bah là, écoutez, ils vont faire leur life maintenant. Je vais les laisser faire des enfants, faire des... ce qu'ils veulent. Faire... voilà. Voilà, peut-être que Hermessante deviendra grand-mère avant de crever, je sais pas. Mais en tout cas... Sacré mariage. J'espère que ce mariage de l'angoisse profonde vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. Évidemment, le stream n'est pas fini. Il est 19h34. Je dois atteindre le niveau 10 de la compétence herboristerie. Un jour, peut-être, j'aurai ce luxe. Je ne sais pas. Sauf si c'était le roi, je pense, non? Ah, je sais pas. Peut-être. J'aurais tendance à dire que oui. Bonsoir, une serpentard. Goût bleu. Salut, Lucie. Bienvenue à toi dans le chat. Goume-le, goume-le. Prise la main dans le sac, ton sac à toi, là. Alors, nous sommes rentrés. Lui, il est triste. Pourquoi? Se sent blessé. Pourquoi t'es... Qui t'a blessé dans ton orgueil, là? Déception, Sissou, on doit réussir le prochain mariage. Le prochain mariage, c'est... on est avec le... On devient un roi, hein. Ah non, 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 c'est sûr. Là, c'était catastrophique. Non, non, non. Laissez-moi tryhard maintenant un petit peu Godefroy. Qui doit atteindre le niveau 10 de la compétence herboristerie? Là, on est au niveau 8. Il faut que le niveau 9 arrive à un moment donné, tu vois. Bah, si la reine ne pouvait pas donner d'héritier, on pensait peut-être pas. Changeons de roi, vive le divorce. Oui, peut-être. Oui, en vrai, peut-être. Ok. Hermessande est là. Bah, Hermessande, Gretel. Bah, Gretel, rentre du coup dans ta nouvelle maison. Au revoir, ma fille. Tu étais si belle et si incroyable. Maintenant, on est qu'avec des mecs, hein. C'est un truc de fou. J'aimerais bien, par contre, m'occuper aussi de mes garçons. Garçons qui, au final, n'ont pas de... n'ont personne, au final. Est-ce que vous m'avez créé des petits sims pour mon let's play, là? Je vais regarder ce que vous avez fait. Hashtag, on avait dit, Sissourine paysan. Venez, vous allez me créer des petites femmes pour les ados, là. Qui ne sont plus ados. Oh, mais vous en avez fait plein! Oh, les Garnier, ils sont beaux de fou! Louis Garnier et Charlotte Garnier. J'adore! Je vais les mettre direct après le stream. Les Bonnet! Trop mignon! Christian Bonnet est froid et Alcan chaud. Il est audacieux avec sa famille. Trop mimes! Il y a eux aussi. Oh non! Vous savez, là, je vais vous missionner. Vous allez me créer que des filles pour potentiellement... Du coup, Gaspard, vous faites des jeunes adultes. Gaspard et Geralt. Est-ce que ça vous dit? Toujours les mêmes critères, hein, on est dans le Moyen-Âge. Les prénoms, il faut que ce soit vraiment des prénoms style Moyen-Âge, de l'époque adaptée. Pas de contenu personnalisé, sauf si vous avez des peaux par défaut et des yeux par défaut, ça ne me dérange pas. Mais par contre, pas de CC, sinon au global. Et bah voilà, une petite jeune adulte là, pour quand? Pour direct, quand tu veux. Ça peut être, bon, pour le prochain épisode, mais c'est quand tu veux, quoi. J'ai cliqué sur remplacer 75 simflouz. Mais non!
Mais non, c'est pas ça qu'on voulait faire. Mais non. C'est quoi ça? Jette. Je vais aller me chercher mon café, les gars. Parce qu'il faut quand même. Comment ça recycle? D'accord, je vais me faire voir. Madame a faim. Notre fille est partie, ça va me faire tellement bizarre. Est-ce que tu peux cuisiner un truc? À part une salade de fruits, on peut rien faire, c'est ça que t'es en train de me dire? Un pokeball. Alors, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on puisse. Donc, on va se nourrir. Portion individuelle. D'accord, très bien. Bah non, alors on va regarder ici ce qu'on peut faire. Produits maison. Non, on va plutôt regarder les repas qu'on peut faire, aliments du garde-manger. On peut faire des œufs bouillis. Bah écoutez, pourquoi je peux faire que des portions individuelles? J'ai pas assez d'œufs. Eh bah fais une portion individuelle, tant pis ma soeur. Tant pis, c'est pas grave. Je vais sauvegarder. Attendez, je vais chercher mon café, j'arrive. Ah bah voilà, j'ai fait des mecs la dernière fois et maintenant il faut des filles. Mais ouais, mais je les installerai quand même. Attendez, je reviens, je vais juste chercher mon café 2 secondes. Hein. Du coup, est-ce que lui, il continue ou pas? Mais non, il continue pas. Oh, les besoins, les gars, les besoins sont chaotiques. Ça y est, on est dans des besoins de mouise. Bug de poubelle, non? Sûrement, pour changer, j'ai envie de te dire, avec les bugs et tous les machins. Pourquoi t'es mal à l'aise, t'as faim? Bah, écoute, mange ta main et garde l'autre pour demain, j'ai envie de te dire. Oh, Sarah, merci pour l'augmentation des besoins. Ça, c'est génial, ça. Altérer les besoins, satisfaire les besoins du monde entier, nickel. Tu vas aller faire ta compétence herboristerie à mort. Non! Touche pas! Touche pas avec ton suite là. Je l'ai pas relooké, mais j'ai vraiment envie de me focus. Il est 40. Si à 20h j'ai pas réussi, franchement, ma mère, c'est un jambon. Et merci Chouves pour le follow. Bienvenue. J'ai pas vu. Coucou sur TikTok, du coup. Coucou. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est sur Twitch. Vous avez le lien en bio. Hein. Allez, Godefroy, allez. S'il te plaît, il lui reste que ça. Il nous restera après que de devenir roi et on pourra se focus pendant 10 ans avec Gobert. Franchement, c'est nickel. Il est 23h47. En vrai de vrai, vous savez ce que je vais faire, c'est pas grave. Gontran, il faudrait qu'il apprenne à lire et à écrire parce que quand même, ça va aller beaucoup plus vite pour lui quand il est enfant. Tu peux arrêter d'embrouiller la terre entière. Toi aussi, tu vas aller t'asseoir, s'il te plaît, là. Sinon, je vais t'envoyer sur Tinder. Essayez d'aller à la salle de sport. Mais la salle de sport, qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Tu vas t'entraîner à lire et à écrire. Toi aussi, tu vas aller t'asseoir ici pour t'entraîner à lire et à écrire également. Voilà, parce qu'il faut qu'ils atteignent le niveau maximal de la compétence. En tout cas, c'est pas obligatoire, mais je préfère au moins. Et d'ailleurs, Gobert, est-ce qu'il l'avait maximisé ou pas? Non, il faut qu'il atteigne le niveau 5. Et Gobert, c'est notre héritier. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, ça l'est. Donc, on va lui demander d'apprendre à lire et à écrire. Je vais l'amener ici. Parfait. Monsieur est en caleçon, en plus, il est trop à l'aise, là. Entraîne-toi à lire et à écrire. Nickel, au moins tous mes enfants sont OP. Il y en a un qui dort. Bah, il a raison, hein, s'il a sommeil, c'est bon. J'espère que ta maman n'est pas sur ton live. Non, elle vient pas trop, ma mère, on va dire. J'ai un vampire, là. Attendez, faut que je lui dise bonjour, du coup. Vu que je dois gifler des gens. Bonjour, Ange van der Kratch de Kratch. Bonjour, qu'est-ce que tu fais chez moi? Vas-y, je vais le gifler. Je vais lui dire, quand même. Voilà, gifle-le. Oh! Mais il nous a évité de ouf! Vous allez... Je vais faire ça. Je m'en fous. Je m'en tape, ça part en freestyle. Mais non, j'ai pas réussi à le tuer! Merci Nika pour ton follow, bienvenue. Oh l'enflure! Mais non, je voulais t'arracher le cœur, j'ai des projets pour toi. Reste ici. On n'a pas réussi? Eh ouais, mais c'est normal aussi, Ange van der Kratch, là. Je voulais le gifler, j'ai même pas réussi. On a une réputation atroce de qui? Je lui ai cassé une bouteille sur la gueule. Dégage. Taisez-vous. Me dis pas, ils vont... Non, m'appelez pas la police, y a pas de police. Y avait pas de police à l'époque. Y avait pas de police à l'époque. S'il vous plaît, je vous en supplie. Il est en train de me soulever, ma grosse daronne. Il est en train de me soulever, ma grosse daronne. Comment vous dire? Non, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Là, on a les flics qui sont présents. Je vais les détruire comme s'ils n'existaient pas. Parce qu'on est au Moyen-Âge. Parce que la casquette et tout, c'est moyen. Ok. Tu peux te...
Tu te relèves? Bon, je n'ai pas réussi à le gifler, mais je vais lui demander de rentrer parce que j'ai un petit peu peur. Je suis très légèrement effrayée. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que du coup, il a pété un plomb et qu'il n'a plus du tout de force. Je vais lui prendre une potion de sommeil. Il va la boire, comme ça il va continuer. Il est combien? Il est 44, les gars. Je vais jamais m'en sortir. Mais quoi? Mais laissez-moi tranquille. Oui, t'es soignée, Hermessande. Ok, vous devriez aller voir un thérapeute. Il n'y a pas de thérapeute, il n'y a rien. Il n'y a rien, foutez-moi la paix. Ton livre, il est où son livre? Je sais pas où il est. Je sais pas où est son livre. Les amis, il s'est fait soulever. Je ne sais pas où est son livre. Je l'ai perdu. Je ne vais jamais atteindre ce niveau 10 en fait. Jamais. C'est ça. Où est la bibliothèque? Vas-y, ouvrir. Je sais pas où est le livre. Là, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Non, on s'en fout, t'es pas mal à l'aise. Relis. La fille qu'on doit créer doit être jeune adulte. Ouais, de préférence, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y, tu lis, là. Mais c'est pas possible. Il est full buggé, en fait. Oh non, mais Godefroy, jusqu'au bout, tu vas me péter les reins. Bon, écoutez, la potion, elle a pas marché. Je vais faire comme s'il l'avait bu, parce que, quand même, faut pas pousser. Relis. Allez, arrête de pleurer. Mais pourquoi tu pleures, d'ailleurs? On sait même pas pourquoi tu pleures. Y a pas de problème, y a rien. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je vois, c'est mon Sims qui marche comme ça, là. Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie, en vrai. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Valir ! Il n'y a plus le feu ! Il y a tout qui a cramé. C'est bon, c'est... Il boite et tout, il est au bout de sa life. Le chaos. Le chaos en un épisode. Le chaos en un seul épisode. Allez ! On va se concentrer avec lui, ok? Il me reste moins de 10 minutes. Tu vas où? Mais tu fais quoi? Mais tu vas le lire, ce livre? Mais c'est pas possible. Écoutez, je vais le spammer. Et on va rester avec lui, ok? On aime le chaos. Ah, mais là! Je sais pas si vous voyez sa tête. Ça s'est pas très bien passé, quoi. On est sur... Non, ça s'est pas bien passé. C'est de la grosse dé. Ah mais c'est normal qu'il boite le mec, il s'est fait soulever par un vampire. En plus vous avez vu, il reste pas assis quelque part pour lire et tout. Non non non, là je suis obligée de le suivre. Je suis obligée d'être avec lui. Il a arrêté de lire. Pour quelle raison? Mais c'est un malade. Notre gueux préféré. Mec, regarde ça. Incendie le plus rapide quand même. Ah ouais ouais, il a été maîtrisé en 2-2. Mais moi je comprends pas pourquoi il passe son temps à se lever, à ce machin. Mon chien a faim. Mes enfants, faut pas qu'ils aillent à l'école. Non, y a pas d'école pour toi. Oui, tu sèches. Et toi, c'est bon. Donne à manger. J'arrête pas de cliquer sur mettre dans l'inventaire. Le pauvre. Remplir et appeler Koshi. Allez. On va l'aider. T'en es où toi? Parfait. C'est l'habitude maintenant vu que t'es passé pro des flammes. Eh, je te jure. C'est devenu une compétence à plein temps. Est-ce que je vais y arriver? Je ne pense pas. Les deux bouillons ont reçu 230 simflouz. Ah, d'assurance. Merci, c'est sympa. Est-ce que je peux la remplacer? 500 balles, hein. Purée, moi j'essaie de gagner de l'argent et tout, machin, et non, tu vois. Ok, il y a eu un tremblement de terre. J'ai eu trop peur. Et lui, il est full buggé. Regardez-le avec son... Ma partie est buggée. J'ai très peur. Rip mes points. Pourquoi tu mets la charrue avant les bœufs? On sait jamais. Peut-être que ça va marcher. Salut Kitsune, ça va très bien et toi? Je vous jure. Les dieux s'énervent, ils s'acharnent contre moi, ils s'acharnent. Où est ton livre? Mais il est où ce connard? Lis, qu'est-ce que tu comprends pas? Lis, 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 arrête de t'embrouiller avec des gens de ta famille, je m'en fous. Vous là, moula, forêt, on cueille. Tac, tac, tac. Allez, cassez-vous. Laissez-moi seul avec Godefroy. Merveilleux, parfait. Mais qu'est-ce qu'il fait, mais... Parce qu'il bug H24 aussi. Mais de fou! Regarde! 45 fois que je lui demande d'aller lire. Il ne veut pas. Il ne m'écoute pas. Il passe son temps à bug. J'ai jamais autant galéré à augmenter une compétence. Jamais autant. Mais attends, mais même la gamelle, elle est buggée. Ou alors le chien, il a tout bouffé. C'est pas possible.
Enfin, le chien, le cochon, bien sûr. J'ai entendu dire quand je vends Dercrash, j'étais devenu ton ennemi. Tu as raison, ce type est un idiot. C'est grave un idiot. On fera aucun commentaire, mais c'est grave un idiot. Et merci beaucoup, Stitch, pour le follow. Bienvenue à toi. Je suis au niveau 8 de la compétence. J'essaye d'arriver au 9. Mais qu'est-ce que tu fous encore? Mais Godefroy! Mais. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a des moucherons partout. Ça y est! Salut Yumiko! Tu aimes la super chose? Aime tout ce que tu veux! Je m'en cogne! Hermessante vient de devenir une bonne amie de Gontran. Je suis ravie pour vous! Il y a tout qui est cassé. Non mais c'est le chaos. La maison, c'est le chaos. Oui, on appelle pour discuter. On va dire que c'est un hibou, d'accord? Il y a Lucie Trouille qui est en train de je sais pas quoi faire. Elle s'occupe du chien, ou il s'occupe du chien. Je crois que c'est un garçon en dessous. Cet homme ici présent a essayé de me harceler sexuellement. Quoi? Eh, c'est une catastrophe. Salut Lily. Allez. Il me reste 10 minutes. 10 minutes de chaos. Je vous jure, je vais le rush. Hein. Plus que 10 minutes. Franchement, il y va là. Relis. Tu ne t'arrêteras jamais. Il est malade, il est en train de fumer telle une locomotive dans les oreilles. Mais est-ce que ça va stopper Gontran? Godefroy? Est-ce que ça va le stopper? Salut Gémeaux. Rien qui va dans cet épisode. Rien qui va du tout. Allez. On est au niveau combien là? On est au niveau 8. On n'est même pas à la moitié. C'est hyper lent. Est-ce que j'ai les moyens? Y a pas un truc genre... concentré. Si. Sois concentré. Je pense que ça peut l'aider. Bois. Bois 2 secondes. Ta potion là. Viteuf. Je t'en supplie, bois. Arrête de lire maintenant, pour le coup, pour une fois que j'ai envie que t'arrêtes de lire. Tu vas le mettre devant la porte? Ok, il l'a mis là-bas. Bois ta potion. Mais il est où? Allez, bois ta... Parfait. Il l'a rangé là-bas. Ouvrir. Mais il est où? J'ai perdu le livre. Je l'ai vu. Là. Allez, on est concentré, on y va. Qu'est-ce que t'as? Tu te fais attaquer, c'est pas grave. Mais j'ai loupé quoi? Il s'est fait agresser le papa? Ouais, par un vampire. Il s'est fait soulever par un... par ange Vander, je sais pas quoi. Est-ce que normalement... Ah, ça augmente largement plus vite. Ok, on a trouvé un truc. Il y a un espoir. On a un espoir. Reste concentré, je t'en supplie. Il le fait exprès, c'est sûr. Mais il veut pas... Il veut pas, en fait, qu'on arrête de s'occuper de lui parce qu'il sait qu'après, ce sera fini. Il le sait. Est-ce que je vais réussir, à votre avis, à atteindre le niveau 10 de cette compétence? On n'est pas encore au niveau 9. Il me reste 8 minutes. Il y a un mec qui vient de faire un dérapage énorme dehors. Mais taisez-vous, arrêtez de me parler. Je suis méga stressée. Je suis en stress. Allez. On est à la moitié du niveau 8. On peut le faire. On peut y arriver. Faut tryhard, c'est ce que je fais. C'est... Vraiment, je ne fais rien d'autre. Si tous les autres, ils sont en train de mourir, c'est tant pis pour eux, tu vois. Allez, niveau 9. Non, mais il met trop de temps. Je crois que j'avais eu un follow. Chaque fois que je viens sur ton stream, ça me donne envie de jouer aux Sims, je look en lurk. Merci pour le lurk, c'est gentil. Ok, il a besoin de se détendre ici et de s'asseoir. Pourquoi il est bien? Non, redeviens concentré, ça allait tellement plus vite. Godefroy! C'est trop... Je suis si déçue. Il est juste bien. Et maintenant il est mal à l'aise parce qu'il a faim, je m'en tape. Franchement, si on est au niveau 9 déjà, je suis contente. Qu'est-ce que tu fais? Il fait des pauses et tout, le mec. Venez pas me voir! Toi, tu sais quoi? Mais... Remplis la gamelle au pire. Voilà, comme ça, on n'a pas de culpabilité pour le chien. Ah non, mais c'est la pire compétence et c'est le chat qui a choisi. Hein. Il y avait le choix entre plein d'autres compétences et c'est le chat qui a choisi ça. Merci beaucoup, Rose, pour le follow. Bienvenue. Il y a moyen, en vrai. Je suis pas certaine. Oula, je suis pas certaine. Qu'est-ce que tu fais? Tête de fiac. Lis. Non, mais il fait tout pour pas que j'y arrive. Prends ta potion. Voilà. On va tout faire pour, hein. On fait tout pour, nous. Bois. Cul sec, la potion. Mais putain. Je t'en supplie, Godefroy. Voilà. Relis.
Non mais je vais le monter en l'air ce mec. Godefroy. Allez. Non mais il reste 6 minutes, c'est impossible. Oiseau de nuit, mais j'ai pas assez. J'aimerais bien, mais je n'ai pas assez de points pour être un oiseau de nuit. Je sais. Je n'ai pas de points. Je n'ai rien. Écoutez, on appuie. Je spam. Vous m'entendez là? Ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire. Lee! Mais pourquoi tu te déplaces? Reste assis et lis! Mais je m'en fous! Mais c'est un fou! Mais c'est un fou! C'est un ouf. C'est un ouf. C'est un malade. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. J'en peux plus! J'en peux plus! Fertilise, fais un truc! Je suis à deux doigts de... Il a marché dans une crotte. Bon bah, je pense que là... Ah, il a son livre à la main, tu vois, genre c'est cool. Bah, j'aimerais tester parce que je l'avais jamais fait. Tu vois, j'avais jamais fait avec sa main qui se soulève là. J'avais jamais fait la compétence herboristerie de ma vie et je m'étais dit, oh, ce serait sympa et tout. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. C'est mort. C'est mort, il veut pas. Il veut pas. Il pue, il est mal à l'aise, il a faim. Vas-y, fais une sieste 30 secondes là. Oh purée, je vous jure, c'est de la misère. C'est la misère, je peux pas. Prends un bain. Vite fait. Les besoins, c'est la merde, c'est la merde. Noir. 180, je peux même pas mâcher une potion de sommeil. Je peux rien faire. Bon bah, autant vous dire que je suis dégoûtée. Tu peux pas boire ça là? Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, vous pouvez pas remonter les besoins, il y a un cooldown. Qui est long en plus. D'une demi-heure je crois, ou de 20 minutes, je sais pas. Mais bois! Ah, ça m'a fatigué. Cet épisode, il m'a fatigué vraiment fort. Pour le coup, vraiment fort. Arrête d'être mal à l'aise! Il va s'évanouir. Non mais, il est venu devant son lit. Il est venu devant son lit. Mais non. Ah, ça m'a fatigué. Il est 56, hein. C'est pas mort, mais c'est mort, quoi. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je peux rien faire. Je voudrais te faire remonter les besoins, mais ça ne marche pas. C'est en rupture, 4 minutes. Eh oui. C'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est pas grave. J'ai perdu du temps avec ce mariage. Tu peux lire, s'il te plaît, encore un peu? Voilà. Histoire de dire, voilà. Non, il veut vraiment pas, hein. Il veut pas, hein. Oh, waouh, vous avez là un sacré bazar. On dirait que vous êtes du genre à laisser les choses s'accumuler. Yes. Bien sûr. Salut, Sophie-chan. Bon, après, c'est pas grave. Si j'y arrive pas, bah, ce sera pour le prochain épisode, on le sait. Je serai plus chill. Mais là, j'avais vraiment, vraiment envie de le faire, quoi. Dégage. Tu vas pas au lycée, s'il te plaît. En fait, ce qui me stresse, c'est qu'il passe son temps à se déplacer pour lire ce livre. Et je sens qu'il est full bug, en fait. Tu vois? Je sens qu'il est hyper buggé et que c'est l'enfer. Salut, Misana! Regardez-le, comment il est buggé de fou! Tu peux pas... Ouais, tu peux pas faire grand-chose. Bon. Bah, moi, je capitule, là. Sylvain a utilisé ses points de chaîne pour... Allez, on t'accorde encore 15 minutes ce challenge. J'aimerais bien. Non, mais non, 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 c'est comme ça. Mais là, je sais pas si vous voyez les besoins de tous mes Sims, mais c'est une catastrophe. Autant vous dire que je vais lâcher l'affaire, voilà, et que je vais juste me concentrer pour la fin de cet épisode avec mon très cher petit Gobert. Réinitialise-le. Il dort, mais ça sert à rien. Ça y est, c'est fini. Ah, mais là, je vais le renommer comme premier mariage. Je vais l'appeler le chaos en un épisode. Bonsoir. Non mais tant pis, c'est pas grave. Les modos, vous pouvez distribuer la moula, hein. Ah là, ça y est, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Salut Jeanne. Mais c'était quoi cette bagarre là de fou? Pourquoi? L'animal Morissette envisage de partir. Eh ouais, mais ça aussi, tu vois. Ça aussi, hein. Bon. Lui, il est parti bosser. J'aimerais qu'il rentre et qu'il manque le travail, tant pis.
Eh si, j'ai perdu les gars. Il est 59, je suis même pas au niveau 9. Faut qu'il se ressaisisse. Il y a tous mes animaux qui vont mal et tout. Non, je vous jure, j'ai jamais été autant dans le chaos de ma vie que là. Jamais. Désolée. Vous n'avez pas eu confiance en moi. Et puis, vous avez eu raison. Allez, on va... Pas toi. Mais purée. Dégage, dégage, dégage. Je me suis trompée. Alors, on va s'occuper du coup de Gobert, qui va aller prendre une petite douche. Et on va aller au château du roi pour... Lui, c'est vraiment une triple buse, hein. Lui, c'est vraiment... Salut, Foxella, ça va et toi? Mais dégage! Écoutez, j'en ai marre. Merci, Pika Juju, pour ton follow, bienvenue. Bravo pour ta participation, Sissou. L'important, c'est d'essayer. Oui. Bon, je peux aller me doucher? Merci, tapis de douche, là. Prendre un bain de mousse. Fais de la mousse, fais. Regardez-le. Il n'est pas mort, son fiac bouge. Il respire quoi, il dort. On peut faire une prédiction après? Non. Une prédiction par stream, c'est déjà très très bien. Bon, surtout que je vais pas tarder à m'arrêter, donc il n'y a pas de sujet pour avoir de petites prédictions là. Il n'y a pas de but, tu vois. Ce serait trop facile sinon. On veut une revanche. Elle y sera pour le prochain épisode, ne vous inquiétez pas. Mais il n'est pas en train de se doucher non plus là. Mais vous pouvez me laisser ma place, en fait? Est-ce que j'ai le droit de me doucher ou pas? Ou c'est ma faute, là? Salut, Mimi, t'inquiète, y'a pas de souci. Prends un bain. Voilà. On va se prendre notre bain. Il est midi, on a quand même le temps d'aller voir, du coup, la fille du roi et de la dragouiller. On veut la dragouiller. Moi, en attendant qu'il prenne sa douche, je vais vendre tout ça. Parce qu'on a dit quand même qu'on veut atteindre la classe des nobles. Et c'est dans 10 000 simflouz en vrai. Hein. 10 000 simflouz, c'est dans pas si longtemps. Ça se fait. Il n'est pas mort, son fiac bouge. Donc les gars, les premiers secours si on arrive. Si la victime respire par le fiac, c'est bon, il est en vie. Exactement, Pixeliste a totalement bien résumé la situation. Si vous respirez par le fiac, c'est que vous êtes en vie. Et que... voilà. Les premiers secours, by Sissourine. Tout le monde est en train de se pisser dessus et tout, c'est dramatique. Je sais pas si vous entendez les bruits, mais waouh. Bon, remplace, c'est pas grave. Allez, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut prendre des restes? Cuisiner ensemble avec... j'ai peur, les défis de terrain, tout ça, là, on commence à connaître. Merci, Morningstar, pour ton follow, bienvenue. Tu restes que jusqu'à 21h aujourd'hui? Non, peut-être un peu avant parce que j'ai hyper faim, je t'avoue. J'ai super faim, j'ai pas mangé de la journée à part ma crêpe Wahoo que j'ai mangée devant vous. C'est vraiment le seul truc que j'ai mis dans la bouche. Et j'ai envie de profiter un petit peu de mon samedi soir. Mais je suis en stream demain à 18h sur les Sims. Allez, mange. Mange mon loulou. Après, par contre, il y a aussi un autre truc. Peut-être que vous me retrouverez avec l'Okinawa dans la soirée aussi sur Phasmophobia. Elle est en sub-bâton là actuellement et à la fin du stream, restez parce qu'on ira la raid. On ira lui envoyer de la force et tout pour son sub-bâton. Et normalement, dans la nuit, elle va jouer à Phasmo. Et on l'avait déjà fait, elle avait fait un sub-bâton pareil et tout. Où justement, elle avait joué et tout machin. Et je l'avais raid et elle m'a dit, bah vas-y, reste et joue à Phasmo. Et là, je pense qu'on va refaire la même. Donc peut-être que vous me retrouverez sur le stream de Loki, mais je serai pas en live moi. Ouais, c'était très très drôle d'ailleurs. Il y aura Alexou et tout, donc ça va être très sympa. Normalement, hein, à reconfirmer, mais je crois que c'est prévu comme ça en tout cas. J'espère juste que ce sera pas trop tard parce que, imaginez, elle me dit ça et je suis en train de m'endormir. Elle m'a dit, je t'appelle en FaceTime au téléphone. Ouais, normalement on fait du Phasmo, ouais. Mais je sais juste pas à quelle heure. Je sais pas comment elle a. Oh my god! Pas de météorite, pas de météorite, ça va tout casser. Non, mes poules! Mes poules! Oui, elle fait 10h, 12h au minimum. Ma poule? Ma poule, elle a failli crever. Mes asticots, ils sont tombés. Non. Mes asticots.
Ça va vous sinon? Poulet rôti. Pourquoi t'es vénère? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi? Pire journée de sa vie. Tais-toi, mon ref, tais-toi. On sauvegarde et on se taille. On va aller voir Gwendoline. Merci, Andri23, pour ton follow. Bienvenue. On peut donc dire que ça... Attends. On peut donc dire que c'est des asticuits. Allô? Le mod, je l'ai présenté sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. Vous avez l'épingle sur le chat avec le lien de ma vidéo. Allez, on se casse. Allez. On se taille. On se barre. Je vais me faire ban. Non, en vrai, ça va. Bisous. Allez, au revoir, hein, Sylvain. Merci d'être passé, hein. Et sa fille qui spamme le lien aussi, c'est ça. Non, pas de ban pour Sylvain. Je peux savoir ce que vous foutez, les modos. Ah. Bannez-moi tous ces connards là. Vous me les bannez. Vous me les bannez. Tous ces connards là. Elle est incroyable cette commande. Elle est incroyable, vraiment. J'aime trop. Je suis trop fan de cette commande. Sincèrement. Bah allez. On aimerait aller retrouver le monsieur. J'aime bien ces blagues explosées au sol. Non mais. Explosées au sol en plus. J'aime bien. On est ici. Il neige. Il y a toujours l'urne avec le fantôme qui nous garde le château. Je rappelle qu'on est aussi un cambrioleur. Mais je n'ai pas forcément envie de me faire embarquer pour terminer cet épisode de manière très chaotique. Comme les asticots pour le coup. Gwendoline, t'es où? Oh non, Gwen. On peut pas lui dire de venir là, là? Mais Gwendoline, attends, j'ai une très bonne idée. J'ai une très 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 bonne idée. On peut pas se casser du groupe si on a envie là. Créer un groupe. Le love. Attends. Love royal. Le love royal. Vas-y, on va mettre ça. Gwen. Gwendodo. Elle est où Gwendodo? Ah, elle est pas là. Donc Hilda, il est fou amoureux d'elle, mais non. Elle est où Gwendodo? Elle est pas là, Gwendodo? Je dois être aveugle. Elle est tellement belle pourtant. Mais elle est où Gwendoli? Elle est là. Ok, Gwendodo. Je ne mets pas d'interaction en mode amoureuse et tout. Hein. Est-ce que tu voudrais bien venir devant sans que le roi, bien sûr, te voie? Pourquoi Gobert a une réputation atroce? Il n'y a aucune raison. Alors, je sais pas pourquoi il a une réputation atroce. Je vous dis la vérité, je vais la lui remettre en neutre parce qu'il n'a rien fait de mal, en fait. Gwendodo! Elle arrive, regardez-la, regardez-la sortir de son château sous la neige, elle arrive en courant. Bon, objectif, je vous explique, pour ceux qui rejoignent, qui comprennent pas. On essaye de pécho la fille du roi. Arriver à la noblesse. Une fois qu'on arrive à la noblesse, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Regardez-la, regardez cette joie de vivre. Une fois qu'on arrive à la noblesse, on peut éventuellement se mettre en couple avec elle. Là, on ne peut pas, donc on est en mode drague et tout. Genre, on essaye de tâtonner un petit peu le terrain, tu vois. On est noble. On se marie avec. On tue le roi. On devient roi. Voilà. Et si j'y arrive, il ne me restera que à faire des enfants avec elle. Et on aura 3 générations. Et on aura rempli tous les critères du Moyen-Âge. Et on pourra passer au siècle des Lumières. Ah, j'ai pas envie, j'ai envie de prendre mon temps. J'adore être dans le siècle du Moyen-Âge. Demandez conseil, bonjour, pourquoi on demande conseil en fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Gwendodo là. Partager des astuces de Sims sociable. Capulet et Montaigu le bail en fait. Un peu. Bah, sauf que les Capulet et les Montaigu, ils sont un petit peu de la même classe sociale. Au final, nous même pas pour l'instant. Écoutez, je vais lui complimenter l'apparence. Regardez cette bombe atomique comme elle est belle. La fille du roi est magnifique. Je vais pas lui mendier de l'argent. Gwendoline est fidèle. Ça, c'est une très très bonne chose à savoir. On pourrait encore lui complimenter un petit peu l'apparence. Voilà. Amour. Intimité physique. Non. Affection. Je vais lui offrir un petit cadeau romantique. Je lui offre un tas de déchets. Vais-je offrir des poubelles à la fille du roi? Oui. C'est mon cadeau, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Je ne suis même pas venue avec des fleurs.
Mais je vous offre un petit cadeau. Peut-être qu'elle va aimer sur un malentendu. La fille du roi peut aimer les déchets. Ah! Elle a aimé. Elle a aimé mon cadeau. Je vous jure qu'elle a aimé mon cadeau. Elle a aimé mon cadeau. Cadeau en conserve. Ils sont heureux. Voilà. Elle est une adepte du recyclage. Je sais pas ce qu'il y avait dans ces... Elle m'offre une rose en retour. Non mais la fille du roi qui m'offre une rose en retour. Non mais... Offrez des poubelles aux gens, ils vous offriront des roses derrière. J'adore la joie que tu apportes dans ma vie à chaque instant. C'est l'amour caché. Elle n'a pas le droit de dire à son père d'ailleurs que, mine de rien, elle fréquente éventuellement un paysan. Nous allons aller nous cacher là. On peut aller là? Venez, venez. On va aller là, là, là. En plus, elle a l'air hyper enjôleuse. Et nous aussi, l'odorat sous-développé. Trop de love, trop de love. On va se mettre là. C'est trop mignon en plus ici, non? Ça fait vraiment, on est caché dans la forêt et tout. Le père, le roi ne doit pas voir ça. On va parler de cuisine. Et en plus, on commence à avoir une jauge d'amour, donc c'est cool. Je vais me renseigner sur la vie amoureuse. J'aimerais bien... Amical, est-ce que je peux... lui demander si elle est en couple, par exemple? Je suis choquée. T'es choquée de quoi? Des ordures? Affection? Demander d'être partenaire de Crac-Crac. Ah non, je vais lui exprimer mon admiration parce que c'est quand même la fille du roi aussi, tu vois, c'est important de lui dire quand même. Avouer son attirance. J'essaye. Gwendoline est célibataire. Ok, cool. J'espère juste qu'elle va pas trop mal le prendre. Elle fait une tête bizarre. Elle est proche de sa famille. Ok. Ça a l'air de pas trop mal se passer, du moins je l'espère. Est-ce que en pensée profonde, on pourrait pas... On peut lui demander d'avoir un bébé éprouvette? Non, on va lui demander de regarder les nuages avec la neige et tout, ça va être trop mimes. Au pire, tu déshonores la fille du roi. Non, fais pas ça. Non. Non, 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 moi je vous dis, on va rester, on va se cacher. Faut qu'on soit déjà bien, bien, bien copine avec elle. Copain, plutôt, avec elle. Qu'on soit proche d'elle et c'est bon, tu vois. Déjà. Mais du coup, je demande à toute la team, j'ai créé le challenge pour Sissourine. Est-ce que du coup, il faut que j'attende quand même d'avoir la classe sociale noble ou il faut que je sois carrément au monarque? Je deviens monarque de toute façon quand je deviens roi, vous êtes d'accord avec moi? Donc est-ce que mon plan de devenir noble, me marier avec elle, tuer le roi, c'est un bon plan? Premier bisou? Non. Mais non, mais non, mais non. Imaginez le... Oh. Bébou, je suis trop contente. Oui, c'est un bon plan. Dommage qu'il n'y ait pas de nouveau pacte, aurait été son écuyer. Ouais, clairement. Proposer à Gwendoline de sauter dans ses bras. Madame, arrêtez s'il vous plaît. C'est un bon plan, c'est un bon plan. Moi j'aime bien. Hein. Attendez, il me faut ma photo là, pour ma miniature. Oula, elle fait une tête... Il me faut ma photo pour ma miniature, pour la rediffusion. Les coulisses, comment ça se passe? Elle a une testasse un peu... Ah, là, c'est bien, là. Là, on est dans un beau délire. Comment je prends mes miniatures, tu sais, en photo? Hop là. Trop mimes. J'adore. Vous avez entendu le petit bisou? Les nobles doivent épouser les membres de la famille, peuvent épouser les membres de la famille royale. Et de toute façon, il ne peut y avoir qu'une seule famille royale dans une contrée. Parfait, donc j'ai un très bon plan. Où tu vas? Mais flirte, t'as pas fini. Envoyez un bisou. Attends. Salut Chocolat Chaud, comment ça va? Imaginez, on fait crac-crac avec elle et on la fait tomber enceinte en cachette. Non, le roi, il peut la... Est-ce que le roi peut tuer sa propre fille? Je pense pas, mais il peut l'exiler. Parler de mariage, éventuellement. Elle appelle ses cops pour en parler maintenant, c'est clair. Au cours de la conversation, Gobert a l'impression que Gwendoline la trouve plutôt attirant, ce qui le pousse à se demander si c'est une bonne idée. Mais oui, c'est une bonne idée, aie confiance en toi. Ah, on a pris un stop. On a parlé de mariage et ça s'est mal passé. Inspiré par les nuages, suis-je à la hauteur? Leurs soupirs et mouvements de tête de déception étaient perceptibles dans toute la maison. Gobert n'est pas à la hauteur avec ses parents et cela le met mal à l'aise. Oh non! Oh non, mais c'est trop triste par contre. Ok, bon. On est devenus bons amis. Je vais sauvegarder quand même. Je vais sauvegarder. Envoyer dans le couvent la demoiselle. Tu la déshonores du coup si tu fais ça. Mais ouais, donc je vais pas faire ça. Faut vraiment que je me calme.
tu vois, et que je fasse pas de bail bizarre. Mais en tout cas, on a bien avancé. Ça, c'est cool. Pourquoi je peux plus appuyer sur elle ? Madame, merci. Je vais encore te dragouiller. Intimité physique. Essayez d'embrasser sous le gui, mais grave. En plus, regardez avec les guirlandes et tout derrière, c'est beaucoup trop mimi. Tu lui fais un bisou ? J'espère qu'elle va dire oui. Elle va dire oui. Non, mais il s'aime trop. Ok, c'est bon. Il s'aime trop. On est dans un bon... Une bonne dynamique. Flirt. Je te plais ? Je vais lui demander quand même. J'ai très très peur. Non, il lui va pas demander comme ça. Clairement, oui, tu représentes tout ce que j'aime. La fille du roi est amoureuse. Et lui, ah, il est mordu, lui, ça y est. Elle est pas mordue encore. Ok, encore, attends. Est-ce que je peux t'offrir une rose, du coup ? La drague de fou. Ok, on est bien. Donc, le prochain objectif, ça va être quand même d'atteindre les 60 000 simfous pour devenir noble. Est-ce que tu m'aimes ? Déshonorer la fille du roi, c'est s'attirer les foudres du roi et filer tout droit au bûcher, c'est ça. Si la fille du roi veut épouser un roturier, son père peut pas donner un titre à la famille. C'est une bonne question. Mais je pense pas que ce soit aussi simple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu m'aimes ? Non, je regrette, mais je préfère être honnête avec toi. En Roumanie. Bon, elle ne nous aime pas. Elle n'est pas amoureuse encore. Je vais donc rentrer chez moi. Une main devant, une main derrière. Non mais il faut lui laisser le temps. Et peut-être qu'à tout moment, elle a peur de nous dire qu'elle est amoureuse de nous. Parce qu'elle connaît les risques. Elle sait que les risques, c'est le bûcher. Peut-être. Merci pour les roses sur TikTok, c'est beaucoup trop sympa. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est sur Twitch actuellement. Vous avez le lien en bio hein, si vous voulez venir là-bas. Moi, je vous propose un truc. Faut qu'on en ait le cœur net. Et je pense que vous avez besoin de ça aussi. Tu vois, vous avez besoin d'un peu de chaud. La maison est dans un état, c'est lamentable. Tu t'es marié à quelqu'un qui ne t'aimait pas, donc bon. Ouais, c'est ça. En fait, on n'est plus à ça près. Mec, reste là. Mais non, il est parti. D'ailleurs, pour info, le bisou sur la bouche hors mariage au Moyen-Âge était considéré comme de l'adultère. Ah, bah merci pour l'info. Du coup, il faudrait plus que je le fasse, alors. Il y a un Justin, là. Tu veux pas venir ? Viens, Justin. Justin, je te connais pas. J'ai besoin de faire quelque chose. Il veut venir ? Ah, il dort. Mais du coup, en fait, t'es obligé de venir. Tu vois ? C'est pas là. Hop. Mais non ! Là. Viens, t'es obligé. Merci. Merci Justin d'être présent pour moi. J'ai juste deux mots à te dire, mais rapide. Rapide. C'est même pas une déchetterie, c'est pire que ça. Juste deux secondes. Oups. Vous n'avez rien vu, non ? Il ne s'est rien passé. Je suis toujours en... Je suis classe moyenne ! Je suis classe moyenne ! On n'est pas noble ! Ça va. Sauvegarder, gérer les mondes. Je vais voir si ça a changé un truc. Il arrache des cœurs plus vite qu'il apprend. Hé ! Vous vouliez du show ! Vous vouliez de la gifle ! Vous vouliez... Je vous ai offert un cœur. I'm shocked. It's gonna be okay. L'amour, c'était accessoire, c'est vrai. C'est vrai. Bon, est-ce que du coup, on est noble ? Si on est noble, il faut qu'on refasse toute la maison. Oh ! Si on est noble, il faut qu'on refasse toute la maison. Ça, ou alors qu'on déménage dans un autre terrain. Dans une plus belle maison, une plus belle demeure. Ça pourrait être très sympa, ça. Bon, j'espère que ça a marché. On est noble. La noblesse! Les Sims d'un ménage aux revenus élevés font partie de la noblesse! Let's go! On est noble! Alors, est-ce que... Quoi? Non, tu peux pas me faire ça maintenant! Mon cochon est en train de mourir!
Non, mon chien, va mon cochon, je sais pas. Il y a la police et tout. Oh là là. Oh, le sondage. Non, mon cochon, il est dead. Mon cochon. Mais ça va, les flics, là? Non, mais il y a les flics qui sont venus et tout. Mes cochis. Cochis. Oh, j'ai trop de la peine. Mais non, je vais pas le ressusciter. Il meurt, tu vois. Cochis. À jamais dans notre cœur, cochis. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas d'hélicoptère. Il n'y avait pas d'hélicoptère. On s'est fait embarquer par un hélicoptère alors qu'on est au Moyen-Âge. Tout va bien. It's okay. Allez, on pêche la faucheuse. Ah, pardon, mauvais live. Mauvais épisode. Cauchy a mené une vie bien remplie d'os, de babal et d'aboiements. C'est un cochon. Mais il est temps pour elle d'aller se reposer pour l'éternité dans un grand parc canin céleste. C'est le prix d'être noble plus le cochon. Ah non, mais hé, on a eu le retour de karma, tu sais. Le vrai retour de karma. Je suis dégoûtée. Merci Annabelle pour les 12 bits. Ouais, je suis un petit peu... voilà. S'arrêter sur une mort comme ça. Et du coup, oui, pour ceux qui ont posé la question juste avant, j'ai cru voir. Les seules conditions, en fait, c'est des paliers, si tu veux, pour atteindre la noblesse. Il fallait qu'on atteigne les 60 000 simflouz pour être noble. Et c'est ce qui s'est passé. On a atteint les 60 000 simflouz en vendant le cœur. Donc peut-être que ça peut être jugé comme un petit peu de l'arrangement de la triche. Mais en même temps, il faut qu'on avance aussi, tu vois. Faut qu'on avance aussi, sachant que j'ai envie de passer des épisodes où on va être roi, on pourra envoyer les gens au bûcher, on pourra faire plein de choses, enfin, c'est la meuf, on pourra envoyer les gens au bûcher et tout. Vous voulez qu'on déménage? Oh, alors attendez. Si vous voulez qu'on déménage, on va aller voir tout de suite dans le monde ce qu'il pourrait y avoir de sympa. Et à la limite, on pourrait même se trouver une maison qu'on mettrait sur un terrain, qu'on prendrait de la galerie au final. Mais à quoi ressemble une maison de noble? Et du coup, cette maison, si vous voulez, je vous la partage dans la galerie. On peut faire ça. Est-ce que les ménestrants, c'est noble? J'allais dans le mode achat construction, je vais voir. Au pire, hein, on peut déménager à côté. Logiquement, tu te rapproches du château. Ouais. Ouais, ce qui pourrait être logique, oui, bien sûr. Non, on n'oubliera pas la tombe de Cauchy. Alors, elle est incroyable, cette maison. Est-ce que cette demeure peut être considérée comme une belle demeure pour nous? Elle est grande. Ah ouais, la maison dans la galerie. Bien sûr, je vous la mettrai. Elle est très jolie, celle-là. En fait, déjà, il faudrait savoir combien elle vaut de base. Hello, Iminada. Est-ce que vous trouvez que ça correspondrait bien, du coup, à l'upgrade qu'on a eu vu qu'on est noble? Oui. Oh, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des relookings de fou. Cette maison fait bien maison noble. Donc on aurait celle-là, qui pourrait être sympa. Mais ça me ferait ça va me faire bizarre. Ouais, ça a l'air d'être sympa, ça a l'air de vous plaire. L'autre maison, je vais la laisser parce que dans les castaniers, bah, y a ma fille qui habite là-bas. Là, il y a le château du roi. Là, c'est le centre-ville. Pourquoi déjà il est incomplet, le bar? Je me rappelle plus. Là, c'est les servantes. Ici, il n'y a personne, par contre. Elle vaut combien? 90... Quoi? Je vais aller voir cette demeure. C'est triche si tu fais free real estate. Je pense que c'est un peu triché, non? Je sais pas. Bah, après, je me dis, on déménage, on déménage. Tu avais retiré le bar, mais je l'avais pas remis. Il y a celle-là, sinon. Ça, ce truc-là, c'est 99 000 simflouz. À la limite, on peut partir là-dessus et la rénover. Techniquement, en étant noble, la maison est offerte par le roi pour monter en noblesse. Non, je sais pas. J'aime bien celle-là, par contre. On pourrait la remanier. Oui, la première est plus jolie, mais celle-là, je sais pas, j'aime bien l'ambiance.
Mais c'est vrai que la première est plus jolie. Il y a un niveau après noble au-dessus, bah c'est la monarchie. T'es roi. Moi j'aime bien. Bizarrement j'aime bien celle-là. Et elle est vide. On s'installe, on pose les affaires. Vous savez quoi, on va faire un sondage. Juste pour avoir votre avis. Vous préférez quelle maison? La première ou celle-là? Après, ils viennent d'être nobles. C'est ça aussi. Coucou, ciel! Soit il y a celle-là, ou en effet. Il y a celle-là aussi. Fais voir. Vous préférez la deuxième? J'allais voir cette number 3, là. Elle est cool aussi. Elle est... Oh là là. Oh là là, j'adore. Bon, elle fait plus paysan. Mais elle est incroyable par contre. Qui a fait ce terrain? C'est vous les viewers? Elle est petite, hein. La deuxième rénovée peut être incroyable. C'est ce que je me dis. Quand le roi te donne un titre de noble, tu récupères le titre, mais aussi toutes les priorités, non? Je pense que oui. Mais là, il m'a pas donné de titre à proprement parler. Elle est très très cool, celle-là. Mais on n'ira pas vivre dedans, mais elle est incroyablement belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais waouh. Ouais, dites-moi. Moi, je pense que la numéro 2, elle peut être sympa. Genre, je suis d'accord. La numéro 1, elle est beaucoup plus jolie. Mais la numéro 2, tu viens d'être noble. T'as pas encore beaucoup d'argent. Donc là, on ferait le free real estate, tu vois. T'as pas encore beaucoup d'argent. T'es encore un petit peu dans le flou artistique. D'ailleurs, je vais en profiter d'aller dans la galerie pour des sims que vous m'avez créés, tiens. Par exemple, cette petite famille-là, elle pourrait totalement aller ici, parce que je sais pas qui est cette personne. Donc, allez, go. Va. Là. Expulse, aménage. Perfecto. Le 2, tu es de nouveau seigneur, ça colle. Bah ouais, je trouve que ça colle aussi, tu vois. J'adore l'extérieur de la troisième. Incroyable, t'as vu? On va pas virer d'autres nobles de chez eux, MDR. Non. Mais là, celui-là, c'est parce que j'avais pas activé les bons trucs et tout, donc c'était chiant. Là, on a les chevaliers. Là, on a Taberné. Là, on a Gal. Ici, on a ma famille. Enfin, ma famille. Oui, ma fille, quoi. Qu'il faudrait qu'on déplace. Donc c'est la numéro 2, donc on ira aménager là-bas dans le prochain épisode alors. On va pas le faire de suite, je le ferai en direct avec vous, non? Comme ça on fera la rénovation et tout. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Taberné c'est bien. Gal, je sais pas. Servante. Mais du coup, là on a les ménestrants. Et là, il y a un bébé là-dedans. Ouais. Mais il nous faut quand même des petites dames pour ces messieurs. La maison du moulin, c'est une maison de la galerie corrigée par Eljam pour enlever tout ce qui ne fait pas Moyen-Âge. Oh, elle est trop trop belle. Salut Maïté, ça va et toi? T'aimes la famille? J'aime la famille laquelle? Celle que je viens de mettre? Ouais, carrément, mais moi j'aime tout, hein. Je suis une bonne cliente, hein. Réelle question, ils vont pouvoir peindre maintenant? Tu soulèves de très très bonnes questions, Léo, j'avoue. Normalement, oui, du coup. Ils peuvent peindre. Grave. Bah ouais. Elles ont été placées par défaut dans la sauvegarde. Je pense qu'elles ont été placées là-bas pour être pas loin du roi non plus. The Lady Punisher, merci pour ton follow, bienvenue. J'imagine que c'est fait exprès, oui. L'argent facile, tu parles de quoi? Pour peindre? Ouais. C'est vraiment le meilleur glitch, je suis d'accord. Mais bon, je suis un petit peu dégoûtée là. Oh là là, ce bordel! Il y a la faucheuse, il y a tout le monde là. Il y a plus dégâts. C'est tout le bordel. Ils vont avoir des domestiques. Je pense que c'est encore trop prématuré pour avoir des domestiques parce que justement, ils ne sont pas trop trop riches. Mimi, merci pour le follow.
Hermès Sand est en train de tuer Godefroy, en fait. Ça fait... Ils sont contents, les gens. Quoi? Mais pourquoi tu l'as tué? Le monde sera meilleur sans vous? Mais c'est ton mari? Non, il s'aimait plus trop à la fin, mais... Mais j'ai pas fini la compétence 10 en herboristerie. Ils envoient des confettis parce qu'ils pouvaient plus le voir. Hermès Sand de Bouillon a assassiné Godefroy de Bouillon. Les gars, j'ai perdu Godefroy. Tu peux peindre et même les revendre. Ah, merci Lily. Salut Donuts. Tu vas pas le ressusciter? Bah en fait non, je me dis, parce que j'aime bien le lore de l'histoire. Genre, même si c'est un challenge avec des trucs à respecter, j'aime me faire porter par l'histoire. Et là, sa femme en pouvait tellement plus de son mari qu'elle l'a assassiné devant tout le monde, et tout le monde est content. Donc est-ce que c'est pas sa destinée? Ça voudrait dire que du coup, bah, c'est Gobert qui prend le relais, c'est la deuxième génération. Pour moi, enfin, même si oui, on n'aura pas fini totalement le challenge parce que pour Godefroy, parce que bah oui, forcément, herboristerie, on n'a pas fini, mais j'adore, en fait, j'adore me faire surprendre comme ça par le jeu, quoi. Mais alors, j'ai une question par contre, elle peut pas se faire brûler pour ça? L'argent lui est monté à la tête. Je suis excédée. C'est une vraie question. Est-ce qu'elle peut ne pas... Enfin, est-ce qu'elle peut aller sur le bûcher à cause de ça, du coup? Ça, je vais tout vendre. Même le truc, là. L'argent lui est monté à la tête. Je suis choquée. Elle m'a tué Godefroy. Bon, bah, c'est au tour de Gobert de s'attaquer à l'herboristerie. Il est obligé? Non, l'anonyme, là. Au moins deux morts, ça diminue le foyer MDR. Sarah, elle réfléchit côté pratique. Regardez, ils envoient des confettis, c'est le nouvel an. Regarde, c'est le nouvel an, joyeux anniversaire, bonne année. Coucou, ça va? Merci Fukuneko pour ton follow, bienvenue. Non mais on est obligé... Attends. Il est vraiment obligé de prendre le relais, Gobert. Il n'y a aucun moment où il a touché à l'herboristerie, arrêtez. Il est obligé, d'accord. Est-ce que le roi peut la convoquer au bûcher? Par contre, j'en ai juste un petit peu marre, je vous avoue, de voir les policiers, parce que c'est pas du tout d'époque, genre, dégagé de là. Merci. Ils ont pas l'air... Non, ils en pouvaient plus. Il était trop violent. Je suis allée faire un câlin à mes enfants, du coup, mes poux. Ils ont pas l'air tristes. On a dit compétence max, Sissou. Vous abusez. Bon. Ben, Hermès Sand, voilà quoi. Il sait. Quoi? La compétence n'a pas été validée avec Godefroy, donc un de ses descendants doit s'en occuper. C'est une traîtresse à son mari, elle doit aller au bûcher. Non, pour moi, elle doit aller au bûcher. Oh, ça voudrait dire qu'on va tuer Hermès Sand? Non. Non. Vous croyez? Je vais aller chez le roi. On la met au bûcher. Au bûcher, c'est les sorcières. Techniquement, Hermès Sand a contribué au royaume en punissant Godefroy pour les meurtres qu'il a fait pour passer à la noblesse. Donc, on l'a puni ou pas? Moi, ça me hype de voir quand même. Je veux la punir. Elle a tué son mari. La guillotine, j'ai pas de guillotine. Moi, la faucheuse, elle veut jamais résister. Ressusciter mes Sims. Elle peut être un petit peu... exigeante, la faucheuse, on va dire. Oui, ça n'existait pas. Ah, au bûcher, vous avez un sondage. Mais je sais que vous allez tous mettre oui. Attends. Parce que du coup, il faut que je vois comment ça marche. Parce que déjà, il faudrait qu'on l'amène.
Est-ce qu'on peut faire une cérémonie de sacrifice et tout? Brûler sur le bûcher, brûler un Sims? Non. C'est pas vrai. Alors attends. On va prendre possession du roi. En soi, si un Sims se commet un meurtre, il est susceptible d'être exécuté. J'adore l'anonyme là avec ses capas à la fin, genre. Je vais mettre famille royale, comme ça vraiment t'as tout le groupe quoi. Est-ce que j'ai pas de couronne? On va mettre ça. C'est pas grave. Alors, maison. Tac, 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 tac. Ah, bah, Aurore, c'est pas grave. Je vais rien mettre ouvert à tous. Ah, pas du tout, sur invitation. Lieu préféré du groupe. C'est là. Yes. Allez, parfait. On va commencer une réunion. J'ai envie de tester un truc, tu vois. Je vais aller ici ensemble. Je sais pas comment ça va marcher. J'ai très très peur d'ailleurs. Hein. C'est la première fois que je vais tester un truc pareil. Je sais pas si c'est horrible à voir. Je sais pas si c'est dur à voir. Je ne sais rien en fait. Je vais... Il ne connaît pas Hermesand. Donc, il va falloir que je glitch un peu. On va aller dans... C'est pas là, c'est où déjà? Relation, non. Code de triche. Il est où le téléporteur déjà? Commande du Sims. Téléporteur. Téléporter un Sims du monde à ce Sims. Oui. Hermesand. Vous croyez qu'il faut que je téléporte tout le monde? Oh god. Je sais pas comment ça va se passer. Les gars, je vous jure, je ne sais pas. Elle est là. Elle est venue. Dans le doute, je vais l'ajouter au foyer, juste pour voir. En plus, elle est pleine de sang et tout, oh my god, quoi. Est-ce que tu peux pas inviter ta famille, genre, tu vois? Ouais, attends, ça... Quoi? Elle parle pas avec... Il y a eux? Gretel, elle s'entend pas avec elle. Mais elle est pas contente avec les autres, hein. Commencer une réunion. Voilà. En même temps, Godefroy était horrible. Même notre queen, Céline Fion, est un ange à côté. Salut, Imen. Bienvenue à toi dans le chat. Bon. J'aimerais que ma reine aille s'asseoir là. Que Gwendoline aille s'asseoir là. Que lui, il aille se fixe là-bas. Lui... Qu'il aille se fixe là-bas. Je vais, vous savez quoi? Je vais même pousser le truc à mort. Gameplay. Je vais désactiver l'autonomie. Comme ça, j'arrive à les suivre, tu vois. Ok, cool. Le roi, il va s'asseoir. Je crois qu'il va s'asseoir là. Du coup, sa reine, elle va s'asseoir là. Parfait. Le conseiller peut s'asseoir ici. Elle, elle peut aller là. C'est quoi cette tenue, par contre? Gwendoline, non. Ça va être incroyable. Je sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas. Voilà. Même. On va te mettre en tenue habillée, ma cocotte. Parfait. Le garde. Mets-toi là. Non. J'ai mis... Allez, ici, ensemble. Purée, je suis trop bête. Assis. Eh, je vous jure, c'est une organisation, les Sims, hein. Assise. Allez, ici. Je veux que tu te... qu'on te voit bien. Ici. Assis. Parfait. Non mais admirez. Admirons. C'est beau, hein. C'est une très jolie scène. Bon. Toi maintenant. Tu vas aller ici ensemble, vu que tu es une mauvaise personne. Elle, je sais pas ce qu'elle fout. Ah oui, mais on n'a pas assez de chaises pour que tu puisses t'asseoir. Donc tu vas aller là-bas. Tu vas pas nous donner de dos, tu vas plutôt te retourner. Parfait. Bon. Le roi a décidé. God vibes. Eh, hey, franchement, ça mérite une belle photo, là. On est vraiment dans le roi à mort. On est... Ça y est, le roi a pris sa décision. J'ai l'impression de regarder God, c'est vrai. Je trouve ça trop stylé. Bon. J'ai brûlé Hermesand. Je sais pas comment on fait...
Mais c'est horrible, mais... Non, mais c'est horrible. Je m'éloigne parce qu'il y a TikTok et tout quand même, hein. Oh ah ouais, mais c'est le vrai truc, genre, c'est Jeanne d'Arc. Après, ça va, on voit pas grand... En vrai, ça va, c'est pas horrible. Hermesand a été exécutée au bûcher. Genre, elle est juste posée... Un petit méchoui. L'autre, il a décidé de grandir sous mon nez, là. Tais-toi. Oh, wow. Oh, Sylvain, j'aime beaucoup, là. Ah, mais c'est incroyable. C'est horrible, hein. Et bon anniversaire. Et il va la ramasser comme ça, direct. Parce que là, tu vois, on la voit pas souffrir ou crier ou mourir, donc c'est trop bien. Il se passe quoi? Oh, bah, il se passe qu'on est en train de brûler une Sims sur le bûcher. Voilà. Ouais, non, là, elle est considérée comme morte, en fait. Mais elle, les animations, vous imaginez que c'est un mode. Je sais pas quoi vous dire. C'était beaucoup trop bien. On a exécuté notre Sims. C'est horrible. Salut le petit brocoli. Oh, elle est trop belle. Vous voulez que je vous montre ce qu'a fait Zouk Machine? Bah pourquoi tu... On va manger une tarte à l'abricot en dessert ce soir. Regardez Zouk Machine comment il s'est appliqué. Je voulais vous la montrer. Ça va, tu t'en es bien sorti? C'est facile à faire en plus. Trop bien. Eh, non mais je vous dis, j'ai un cuistot à la maison. Vous avez vu comme elle est belle, la belle tarte à l'abricot? Vous croyez qu'on peut brûler la faucheuse? On peut brûler la faucheuse? Mais non! On peut brûler la faucheuse sur le bûcher! En vrai, ça va l'interaction, j'avais peur. Mais en fait, ça va. Ah non, mais on peut... Eh, t'as triché, reviens! Elle s'est barrée! Oh la connasse! On allait la brûler sur le bûcher, telle une gueuse, pour la punir de tous ses péchés, là, à pas accepter de refaire vivre des Sims et tout. Elle s'est barrée en courant! Connasse! Elle a pas voulu mourir! Non mais elle s'est barrée comme une voleuse! Oula, oups. Eh, c'était mouvementé, hein. Est-ce que vous avez kiffé cet épisode? Je l'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé cet épisode, il s'est passé trop de trucs. Mais ça veut dire qu'on a perdu... Attendez, je me rends pas compte, moi je suis là, ouais, je suis trop contente et tout. On a perdu Godefroy et Hermesand. Ça y est. J'ai pas envie de m'arrêter. J'avais envie de m'arrêter là bientôt, j'ai plus envie de m'arrêter. J'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer à jouer. Je suis trop à fond. Je suis trop à fond dedans, j'ai pas envie de m'arrêter. Je vais rester encore un peu avec vous. Je reste encore un peu avec vous. Je suis trop bien là. J'ai le temps? C'est vrai? Ah, ok. D'ici combien de temps? Je sais pas quand est-ce qu'on va jouer à Phasmo avec Loki, c'est ça le truc. Aucune idée. Je crois qu'elle a encore... Attends, elle fait quoi? Elle est sur Only Up là. Je reste encore un peu avec vous. J'ai envie. Alors, bon, je vais quand même pas les faire déménager de suite. On se laisse le temps de gagner encore un petit peu d'argent. J'ai l'impression d'être une enfant. Ah, je suis contente, je reste avec vous et tout. Il s'est passé plein de trucs. Regardez la famille. Genre là, il y a que des becs. Il y a que nos enfants. D'ailleurs, je vais en profiter pour aller bien relooker Gontran. Gontran qui est toujours en tenue, voilà. Et j'hésite même à tous un petit peu les upgrades, mais je me dis que ce serait intéressant de le faire quand on sera vraiment dans la nouvelle maison. Ça a commencé à faire la compétence herboristerie. La tête de ma mère, c'est trop grave. Ça aussi. Oula, il a l'air un peu fatigué, hein. Mais en vrai, il est mignon, j'ai pas envie de changer plus que ça. Genre, même sa coupe de cheveux.
Ah, on peut leur changer leur coupe de cheveux vu que maintenant ils vont être nobles. Qu'est-ce qu'on fait? Coucou tout le monde, trop contente que tu restes un peu comme ça, j'arrive pas sur un au revoir. Oh bah c'est cool que tu sois là, j'espère que tu vas bien. Après cette coupe là elle est cool aussi. Je sais pas. Sinon il y a celle-ci. Les cheveux longs du coup. Par contre, alors les nobles ils s'habillent comment? Enfin je vois comment ils s'habillent mais je veux dire par rapport à ce que j'ai dans les Sims, je ne sais pas. Est-ce que là, tous les profs d'histoire, sortez de votre grotte et aidez-moi. Ouais, le rouge, je sais qu'on peut. Le blanc aussi. Mais ma question est, est-ce qu'on peut mettre du coup des boutons, ce genre de choses-là? Pour l'herboristerie, est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre où le père s'est arrêté? Ce serait pas tricher. Bah, ils disent quoi, ceux qui m'ont créé le challenge? Moi, j'aurais envie de te dire oui. Parce que là, il faudrait que je reparte de zéro. Non, c'est interdit. Putain. Vous êtes dur en affaire. Hein. Vous êtes dur en affaire, vraiment. Bon, comment je vous habille les loulous là? Il y a ça. Il y a ça, hein. C'est mignon ça. Non? Pas du violet, on a dit. Pas du rose non plus. Ça. Oui, c'est un contenu personnalisé là, si. Tout à fait. Ouais. Il y a ça après, mais... Ouais, si, ouais, non, c'est pas... C'est pas ouf, hein. Je pense que je vais lui mettre les mêmes tenues. Matière soie et velours accepté aussi. D'accord. Mais moi, c'est surtout... Tu vois, c'est surtout... ouais. La tenue en elle-même. Bon, pour la tenue de sport, écoutez... hein. Je vais pas mettre ça, déjà, pour commencer. Tenue de sport, on s'en fiche un peu. Hein. C'est vraiment pas une tenue qu'on regarde, quoi, j'ai envie de vous dire. Écoutez, on va rester un petit peu sur ce délire-là. Les chaussures, par contre... Hein, ça va être chiant, les chaussures, non? Surtout pour les enfants. Hermessande, elle est morte brûlée sur le bûcher. Quel enfer. Ça marche long, Loïc. Long. Pourquoi j'ai dit long? On peut lui mettre ça par contre. Ça fait un peu plus riche. Pieds nus. Tenue de fête. Est-ce que ça peut le faire ou pas? Il n'y avait pas de nœud papillon à l'époque. Je pense que ça, c'est la meilleure tenue en vrai. Hein. Ça, maillot de bain, Osef. Tenue de temps chaud. Tenue de temps chaud. Un t-shirt simple. C'est pas noble. Ça? Est-ce que ça peut aller? Je pense pas. Hein. C'est nice que tu mets. Nickel. Cool. Mais par contre, tu vois, les nœuds pap et tout. Je suis pas certaine. Hein. Non. C'est beaucoup trop. Non, ça ne va pas. Ça n'ira pas. Ouais, mais en tenue de temps chaud, c'est dur, hein. Un t-shirt blanc. Le mec, il a mis des crocs, là. Ça fait trop moderne, on est bien d'accord. Ça ne va pas. Où sont mes shoes? Là. Écoutez, je vais mettre un t-shirt basique. Parce que je sais pas trop. Et ça, de cette couleur. Ok, c'est pas mal. Gontran est bien. Maintenant, je vais surtout m'occuper de Gobert, qui est l'héritier du coup de Godefroy. Ah, ça me fait bizarre. Comment on l'habille? C'est quoi ça? Ah, c'est Star Wars, ouais. Salut Kev, comment vas-tu? Oh, ça c'est pas mal. J'aime pas du tout ça par contre. Ça? Bah, il y en avait des nœuds en forme de nœuds sur le cou pour les hommes, donc nœud papillon, ça choquera pas. Ouais, mais je pense que c'était plutôt le t-shirt qui faisait bizarre. Est-ce qu'on n'aime pas ça? C'est pas mal. Écoutez, je vais principalement l'habiller avec ça. Parce que, pour le coup, je trouve que c'est très adéquat. Qu'en dites-vous? Moi, j'aime bien. On a même ça, mais... C'est peut-être encore un peu trop tôt. Je sais pas.
Ah, c'est quoi? C'est un boucher, ce truc. Qu'est-ce que c'est? Mais j'aime bien, hein, en vrai. La tenue est sympa. Oui. Je vais mettre ça en bleu. Pour dodo. Ah non, c'est la tenue de sport, mince. Bah écoutez, la tenue de sport, ma foi, j'ai envie de vous dire que ce sera la même, hein. Après ça va, ils sont nobles. C'est vrai qu'ils sont nobles, donc je peux lui mettre ça. C'est vrai que je peux totalement lui mettre, t'as raison. Tenue de dodo, je vais lui mettre ça. Il n'y avait pas de léopard, je pense, à l'époque. Donc, on va plutôt partir sur du marron comme ça. Pour la tenue de fête, bah, à la limite, on peut mettre... elle est où? Elle? Non, c'est pas elle. Du coup, c'est elle. Après, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de swatchs différents. Non, ça, ça se rapproche plus du violet, donc ça n'ira pas. Est-ce que je partirai pas? Bon, le CC est un peu pixelisé, tout ça, mais je trouve que ça fait bien l'affaire. Oh, en vert comme ça, ça lui va bien. Écoutez, le maillot de bain, on s'en fiche. Tenue de temps chaud. Bah, il va aller, il va crever de chaud avec ça, hein. J'aime mieux ça. Et en tenue de temps froid, elle est où? Elle est où, elle est où, elle est où? Ma tenue. Est-ce qu'on lui changerait pas de coupe de cheveux, du coup? Je pense que c'est, si, ça serait judicieux de le faire. Ah, c'est bien. Oh punaise, là on voit qu'ils sont montés de rang, j'adore. Mais oui, moi aussi j'adore. Je vais lui changer un peu la coupe de cheveux. Je veux qu'il soit encore plus propre. Alors peut-être pas rasé sur le côté pour le coup. Donc ça c'était sa coupe de base. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Il s'est coupé les cheveux et tout. Et pour la barbe même, on peut le clean. On peut lui mettre une petite stache. Je sais pas. Est-ce qu'on lui mettrait pas même celle-ci? Waouh! Ah non, mais on est à fond là. Mais on est à fond dedans. La stache. La stache. Salut Soka. La stache. Ah oui. Non mais là c'est bon, ça y est, enfin... Enfin, je meurs. Il est très, 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 très beau, là. J'aime beaucoup. Bon, je vais pas faire ses frères, maintenant. D'Artagnan Roux, c'est ça. Ses frères... Voici, allez, vas-y. Écoutez, on va... On va mettre tout pareil partout. On s'en fout, ça, limite. Ciao. Je vais faire à eux... En fait, si vous voulez, vu que... Ce sont, on va dire, des personnages secondaires. On s'en fiche un peu. Donc on va leur mettre des trucs à l'arrache comme ça. Voilà, vas-y. Bon, ils vont être un peu tous habillés pareil, hein. C'est un peu relou. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je... Là. Allez, on change de couleur. Parfait. Ça l'habille, la barbe un peu... Ouais, mais au moins on a du changement, tu vois. Voilà, pour Geralt, on va partir là-dessus. Pour Gustave, en vrai, Gustave, je vais le laisser habiller encore comme ça, je pense. Salut la diablette. Je vais le laisser habiller comme ça, peut-être juste changer 2-3 tenues viteuf, mais pas toutes. Lui, on va dire que... Elle est où? Lui, on va dire que sa tenue... Alors, pas de l'or, non. J'aime pas du tout, là. Mais le bleu, ça me fait penser au roi. Pas le violet non plus. Ouais, c'est bien. Ça aussi. Dit comme ça, c'est fait. Salut, Emila. Comment tu vas? Ok. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Tenue de fête. Parfait. Tenue de temps chaud. Tac. En vrai, vu qu'il y a plein de couleurs différentes, c'est cool, je trouve. Et tenue de temps froid, on va mettre la même. Parfait. Pour les cheveux, on va lui laisser. Et lui, ah ouais, mais lui... lui, je pense que on peut lui laisser cette coupe.
Qu'en dites-vous? Lui, on va dire que sa couleur, c'est du clair. Il va être un peu habillé pareil. Hein. Salut Donuts! Comment vous allez les amis? Non. Oula, non. Rose? Ouais. Pour le dodo, on va lui mettre une serviette à lui. Beige. Ouais, ça va, merci. Salut la Yamini. C'est quand qu'on joue? Aurore, je te jure, tu vas me faire un dédommagement. Pour ce faire, je vais t'envoyer un colis dans lequel tu trouveras les règles pour me dédommager. T'imagines, les gens premier degré, ils comprennent pas. Gaspard, il a une tête à faire les impôts MDR. Oh non, ça juge si fort ici. Et j'ai fait avec ma roue en début de stream. C'est vrai, bien sûr. J'ai un truc à vous dire d'ailleurs, j'y pense. Normalement, déjà, je sais quand... Attends. Pour la poste, pour ouvrir, vous savez, une poste et tout, on n'était pas allé dans la bonne poste la dernière fois, vous savez, pour avoir une boîte postale et tout, etc., etc. Je pense que c'est effectivement 99€ par an, mais du coup, je sais à quelle poste je dois aller, c'est pas celle qui est en bas de chez moi, en gros, grosso modo, c'est pas celle-là. C'est en est une autre, donc je vais y aller, et je vais y aller du coup, bah, dès lundi, non, ouais, lundi c'est ouvert, je vais y aller dès lundi exprès. Parce que comme ça, je vais me renseigner, je vais avoir toutes les infos. Parce qu'en fait, au final, sur Google, il n'y a pas toutes les infos qu'on veut, quoi. Je vais lui mettre cette coupe, en fait. Voilà. Donc, je vous annonce que normalement, ça devrait déjà avancer. Je pense que d'ici quelques semaines, ça devrait être bon. Et il y aura une boîte postale qui va être ouverte. Donc, si vous avez envie de m'envoyer des trucs, vous pourrez le faire là-bas. Il faut juste que je me renseigne sur les prix. C'est surtout ça qui est chiant. Est-ce qu'on est... C'est pas assez coiffé toute cette affaire. Hein. Les petits bonhommes là, ils sont pas assez coiffés. Hein. Messieurs, j'entends ça laisse à désirer. Attends. Ouais, ça c'est mieux. Des asticots. Non! Go envoyer des cadeaux. Vous êtes trop mignons. Mais parce que je sais que c'est une demande que vous m'avez fait. Que vous m'avez fait plusieurs fois. Et donc je pense que. C'est aussi un peu la moindre des choses. Et puis je vais me renseigner. De toute façon, après, je sais que ça a un prix, ça a un coût. Mais j'ai vu 99€ par an. Je sais pas si c'est le cas, je sais pas si c'est ça. Mais dans tous les cas, je vais me renseigner. Ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant d'ici le prochain stream. Donc peut-être pas. Peut-être lundi soir. Peut-être lundi soir en vrai. Bon, bah voilà le relooking de mes enfants. C'est incroyable. Je suis trop contente. Bon, ils sont orphelins, mais il n'y a pas de soucis, ça. Ça, c'est en option. Non, leurs parents auront goûté à la noblesse 10 minutes. Moi, je trouve ça dommage que Godefroy et Hermessande soient morts aussi vieux. Aussi vieux? T'aurais voulu qu'ils meurent avant? Coucou Sissou, je m'appelle Nathan et j'ai 7 ans. J'adore les Sims. Tu as 7 ans? Ah bon? Lottie, tu as 7 ans? C'est très très jeune. On pourra envoyer des asticuits. Calmez-vous. Des enfants plus 6 enfants, c'est vrai. Bon, il y en a un qui est ado quand même, hein, et lui, il est vraiment enfant pour le coup. Ils ont l'air trop perturbés. Ils n'ont pas l'air trop perturbés d'être sans parents MDR. Ils en ont rien à péter. Ils en ont absolument rien à foutre. En fait, je suis en train de faire la mise en place avec vous. Je suis trop contente. Je vais aller relooker aussi ma fille, Gretel, pour que ce soit cohérent, vu qu'elle est dans une autre maison et qu'elle est devenue noble aussi. Et merci beaucoup Maxou pour le follow, bienvenue. Ah, c'est ton fils Lottie, d'accord. Parce que j'étais en train de me dire, Lottie n'a pas cet âge-là normalement. Et bah tu lui fais un gros bisou. T'as vu les modos direct, elles ont eu peur, genre fais attention. Si tu veux savoir, j'ai 13 ans. Tu as 13 ans? Oh, il y en a, vous êtes des bébous d'amour là. Merci de m'avoir suivi sur TikTok, coucou Edith, t'adores les Sims. Eh, on est deux. C'est trop mignon en tout cas. Bon, toi là. Viens, je te relook. Allez. Ça vous va un petit peu de relooking là pour... J'aime bien. J'en ai 58. Pourquoi tu mens? J'ai eu peur 7 ans sur Twitch, c'est super dangereux. Ouais, c'est vrai qu'on sait jamais. Hein. C'est vrai qu'on sait jamais.
Merci beaucoup Shana pour le follow. Nous on s'inquiète tout le temps ici. On a toujours peur. En fait, on veut vraiment que les gens se sentent bien ici. Et quand c'est trop jeune, de toute façon, l'âge légal pour être sur Twitch normalement, c'est 13 ans. Hein. Moi, bientôt à la retraite, donc bon. Qu'est-ce qu'elle dit elle? N'importe quoi. Et moi alors, je dis quoi, Sarah? Est-ce que ça fait noble ou pas, les amis? Robe courte, non. Est-ce que ça peut faire noble? Je pense que oui, parce que Sarah m'avait parlé tout à l'heure de chemise, sur chemise et tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup en bleu. Du coup, les chaussures, je vais les mettre en bleu. Je vais lui changer sa coupe de cheveux. Quand même. 28 ans, 3 enfants, la retraite est encore très loin pour moi. Bah voilà, profite. Validez, Madame Sissou. Merci. Alors, les cheveux. Est-ce qu'on partirait pas sur ça? Moi, bientôt 40. Vous êtes jeunes, les gars. C'est vraiment... On a déjà eu cette discussion. Pour moi, tu commences à vraiment être vieux. Vieux. À 60 piges. À 60 ans, ça y est, tu rentres dans la vieillesse, mais c'est ok, tu vois. Ah, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Crémy24, merci pour ton follow, c'est gentil, bienvenue. Après, je peux lui mettre une coupe stricte, parce que, bah, ça y est. Pour info, la dame à l'écran a dépassé les 150 ans. 274 ans, j'ai. Avec le nœud, les gars. 31 ici. Je vais sur mes 31 ans, moi. On me donne pas mon âge. Encore, la dernière fois, IRL, on m'a dit « Ah bon? C'est pas vrai. Mais je te donnerai 25. » No. On avait un nœud purée de patates. Mais il est où le nœud? Attendez, je suis Miro. Excusez-moi, je vous lis pas. 30 secondes, je cherche mon nœud. Mon nœud? Hé! Là. En vrai, pour mes 29 ans, on me dit... Hein? Je pensais que t'avais... Ouais, c'est vrai que tu fais pas ton âge, ta fille de ouf. C'est cool, là! Salut, Pretty Lily. Bienvenue à toi dans le chat. J'adore. On valide ou pas, ça? Cette année, 32 en octobre. Aïe, aïe, aïe. On avance tout doucement. Ça aussi. Je t'ai dégoûté. Oui, je l'ai à 9 ans. C'est ton fils en montrant un pot de ma petite sœur. Un pot? Une photo? Merci la Piclou pour ton follow. Bienvenue, c'est gentil. Moi, j'aime bien ça. Ouais, celle-ci, j'aime bien aussi. Un pote. Ah, je comprenais pas. Ouais, je m'étonne que tu l'as mal pris au bout d'un moment. Ça va, quoi. Pour la tenue de sport, bah, vous savez, c'est toujours un petit peu pareil. J'ai envie de vous dire que là, on est sur quelque chose d'assez approximatif, vu que mes Sims, de toute façon, ne font jamais de sport. Est-ce qu'on lui mettrait pas ça? Ça fait un peu servante, non? Oh, peut-être selon comment tu t'habilles, genre ça. C'est beau. C'est sa tenue de sport. Ok. La tenue de dodo. Ma foi. Je... ne sais pas. Ça? Non, je pense pas. Hein. Je pense pas du tout. Merci Nono pour le follow. Aïe, à force de voir tes TikTok, je me suis dit qu'il fallait que je vienne sur Twitch. Oh bah c'est gentil la Piclou. Ouais, c'est beaucoup mieux. Tu verras, tu seras plus confortable là. Et même pour discuter tout ça, ce sera beaucoup mieux. J'espère que tu vas bien en tout cas. Je ne sais pas quoi lui mettre comme pige. Longue robe de nuit MDR. Bah je vais lui mettre celle-là hein. En blanc hein. Voilà la robe de nuit des nobles. Waouh. C'est dégueulasse. Attendez, est-ce que j'ai une autre robe qui pourrait donner l'effet justement d'être noble et plus paysan? Oui, je vais en avoir, j'espère. Après je peux remettre les mêmes hein. Il y avait celle-là aussi. La fente sur le côté pour les nobles, ça se faisait ou pas à l'époque? Parce que là, on pourrait mettre elle. Tu vois? Et je lui mets pas le nœud partout, tout le temps. Ouais, je vais aller regarder des CC à fond, maintenant. Pour le prochain épisode, je vais être full CC. Écoutez, on va faire comme ça. Là, on va lui mettre le nœud.
On montre pas le bas du corps, hein. Comment ça, on montre pas le bas du corps? Salut Margot! Ça, je laisse parce que je vous dis, j'utilise pas le maillot de bain. Non. Tenue de temps chaud. J'adore la robe avec le corset. Ouais, je vais la remettre. Ah, pour la fente. Oui, merci. Ça vient de me revenir. Ok, ok. On montre pas ça. Elle est où ma robe? Il y a elle. Où est le corset? Peut-être qu'elle est pas en temps chaud, c'est pour ça. Après, le problème, c'est qu'elle va avoir des manches longues, mais bon, elle va pas étouffer non plus. Je pense pas. Il y a ça aussi. Ça le fait, hein, je trouve. Hein. Ça le fait bien, même. On va lui remettre le nœud. Bonsoir, Elban. Comment tu vas? Elle est mieux, cette robe. Elle est jolie. Mais au moins, on lui met plein de tenues différentes. En tenue de fête, j'ai mis celle-là. J'ai mis celle-là en tenue de fête, mais c'est vrai que le corset... Elle est où, ma robe corset? Je l'ai mise là. Je la trouve pas. Elle est là. Ouais, c'est Mims. Allez, je vais remettre la même, c'est pas grave. Et en tenue de temps froid. Bonsoir Audrey, ça va et toi? J'ai affronté ma peur du vide aujourd'hui en traversant la passerelle de Mazamé. Je suis pas peu fière. Tu m'étonnes. T'as été courageuse, bravo. T'as pas eu trop de mal? Vraiment beau les CC. Merci. Bah, d'ailleurs, sur YouTube, on m'a dit dans ma dernière vidéo que je devrais faire une vidéo de CC médiévaux. Donc, si ça vous dit, moi, je vais le faire en vrai. Je suis grave chaude. Surtout qu'en plus, je dois en télécharger. Donc, je vais vous faire une vidéo de contenu personnalisé spécial Moyen-Âge, etc. Il y a ça, mais c'est la même tenue que la fille du roi. Donc, je vais en télécharger une tonne, mais une tonne! Vraiment bonne idée. Ouais. Bah, on me l'avait suggéré dans je sais plus où. Et en gros, sur ma dernière vidéo YouTube, j'en parle et je dis que je vais le faire, tu vois. Carrément pour la vidéo, pour ce genre de CC. Bah, go, hein. Sans problème. Ce sera celle qui sortira mercredi prochain, alors. Parce que ça va me prendre 2 secondes en plus à faire. Ça va être trop bien. Enfin, 2 secondes. Non. Parce que trouver les CC et compagnie, ça prend pas 2 secondes. Mais je veux dire, pour la faire, la vidéo, ça va être très rapide. Merci, ça s'est super bien passé. Il n'y avait pas grand monde, donc ça va. Bon, c'est bien, t'as été grave courageuse en vrai. Ma tenue? Les gars, je tourne en boucle là. Et en rond même. J'ai envie de remettre elle. J'ai envie de remettre elle parce que je l'aime vraiment bien. Sissou, pour le Fasmol, ok, elle fait un truc en attendant, mais elle t'attend pour le faire. Elle m'attend? Vraiment là, elle m'attend? Faut que je mange avant quand même. Faut que je lui dise. Ok, bien. De toute façon, on va pas tarder à arrêter le stream parce que faut que j'aille manger dans tous les cas. Pas du tout les bonnes chaussures. Pas du tout, pas du tout. J'étais en famille, ça motive. Et ouais, la tarte aux abricots, elle va être froide. Non, y a même pas le plat. La bonne tarte à l'abricot, j'ai trop envie de la manger, j'ai trop hâte. Non mais ça, je peux la prendre après, hein. C'est pas très gênant. Est-ce que... Non, ça c'est pas du tout d'époque. Comment se rediriger vers le quai? Je ferai un raid chez elle, vous inquiétez pas, vous avez rien à faire vous. Je ferai un petit raid chez la dame. Écoutez, je mets un peu un truc au pif, hein. C'est pas ouf mais... Non, je restream pas après, non, non, moi je serai pas en stream. Bon, Gretel, elle est belle. D'ailleurs, merci à la personne qui m'a offert l'abonnement. Ça fait trop plaisir, c'est cool. Merci d'avoir partagé ma vidéo sur TikTok, c'est gentil. Ouais, en fait, je l'avais en fond, entendre le Fasmo. Du coup, elle a dit qu'elle avait hâte que tu aies fini pour le faire. Du coup, je lui ai posé la question de quand elle voulait le faire. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle faisait un truc en t'attendant, mais qu'elle attendait que tu aies fini. Ok. Merci, Lottie. Il y avait des talons au Moyen-Âge.
Fais pas attention, fais pas gaffe. Fais pas gaffe. Bon, les amis, je pense que c'est sur ce qu'on va se laisser en effet. Ciao.